toujours pas allumé mes lumières. Ah si, un peu. Ah non, pas elle. Ok, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est fort ça. C'est très très fort ça. Grosse journée Yu-Gi-Oh aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre bien, j'allais dire aller chercher un petit. Si vous êtes peut-être au café encore. Non, vous êtes à 17h15, c'est tard pour le café. Manger à quelle heure? Salut Vin, salut QC, salut bah tout le monde, IA, Ima, Rimka, Maroutan, Cam, Mac, Regoki, Reméo, QC, Tripe, Insomniac Boy, Tipsy, voilà. Merci à vous d'être là. Je règle juste un petit problème derrière moi. On va allumer ça. D'accord. Et ensuite, merci Ima pour le sub. Merci Grand Prince pour ton prime. Vous pouvez faire comme Ima si jamais vous avez un petit prime en réserve, ça soutient la Zulu Télévision. C'est fort cette musique, non? Ah, c'est un peu plus apaisé quand même. Ok, je cherche mes lights you. Pourquoi? Ah, mais j'ai tout mis en blanc, mais c'est ma faute. Très bien. On n'est pas sur le même fuseau horaire, mon pote. C'est-à-dire... De quoi on n'est pas sur le même fuseau horaire? J'ai dit une connerie? Ok, ambiance un peu plus tamisée ici. Merci au Camille qui lâche bientôt ses 1 an avec un petit prime. Merci au Camille Yuki qui profite. Toi aussi, t'es américain, QC. Oh, putain, Vince qui nous regarde depuis Richmond. C'est beau, ça. C'est beau. Je suis à Richmond aussi, mon pote. oui, QC. Ouais, c'est vrai que QC qui sera en duplex depuis Richmond tout à l'heure pour ouvrir. Regardez. Pas. Regardez. Bon, en vrai, ça va. J'ai déjà vu des plus grosses ouvertures. Mais quand même, la Hyper Zulu Production a investi sans compter. Voilà. T'es allé racheter des rarities? Ah bah écoute, là ça a investi, gros. Ça a investi. T'es un zing zing. Ah bah, quand on fait des openings, monsieur, on les fait pas à boîte chier, d'accord? Ouais, bon, et je fais pas souvent des grosses openings comme ça. J'avoue que Rarity a fait mouiller un petit peu trop mon slip. Même si, en vérité, ce que j'ai le plus besoin, c'est juste les Agov, en fait. C'est juste les Agov, parce que j'ai besoin des cartes méta, en fait, pour jouer méta. Normalement, ça doit vous faire tiquer un peu, quoi. H en quarter a déjà remboursé une partie. C'est vrai. La HZ Prod qui va me donner un Dark Law en Starlight, incroyable. Alors, faut que je consulte le board aussi. Faut que je consulte le... les... Comment on appelle ça? Les dirigeants. Attendez, je dois chercher un truc. Ah si, c'est là. Faut pas que j'oublie. Ok, non, tout va bien. Du coup, tout à l'heure, on aura Franck et QC qui vont venir. Parce que, si j'ai pas de bêtises, toi, QC, t'as une boîte. Et Franck en a deux, c'est ça? Dont une qui est ici. Donc ça veut dire que... Attends, t'as bien une boîte, QC, toi? On a chacun une rarity. Ok. Parce que du coup, ça veut dire que... On va ouvrir sur la chaîne 9 rarity collection et 3 agov. Potentiellement 2 pour moi si je pète un câble. Non! Oh là là, oh le chat, si vous voulez voir encore plus d'opening, faut peut-être chauffer un peu QC maintenant. Chauffez-le. Je sais pas comment vous pouvez le chauffer, mais chauffez-le. Je dois donner à Franck le Striker Dragon QCR. Faut qu'il l'ouvre. Quoi? Je dois donner à Franck le Striker Dragon Quarter Century. Pourquoi tu dois lui filer ça? Qu'est-ce que t'as parié avec lui encore? Donne-lui un Dark Law pour le chauffer. Bah non, justement, si je lui donne un Dark Law pour le chauffer, il va pas l'acheter. S'il l'ouvre pas, je vais lui filer MDR. Putain, mais toi, t'es un prince, Vince.
Ah, il a le cœur sur la main, le Vince. Il a le cœur sur la main. Ah, t'es comme ça. En même temps, toi, Vince, t'es un peu de... T'es devenu un industriel de Yu-Gi-Oh, on peut le dire. On peut le dire. J'avoue, t'as perdu quel pas. Non, juste, c'est un prince. D'ailleurs, Vince, donc, il se déplace à Richmond pour faire le tournoi Edison Format. Hein. C'est beau. Il a fait des bons petits plats quand j'étais à Dunkerque. C'est vrai. C'est vrai qu'il s'est donné, quoi. Dites à QC qu'une personne est prêt à échanger la héros dans Rarity en quarter. Non, mais... QC, faut acheter une deuxième boîte, voyons. Il y a... Tu dois acheter cette boîte, QC. Vraiment, le chat va être très très déçu, sinon. Après, je dis ça, tu fais ce que tu veux, mais... QC, il a fait sa liste de recherche. Tu recherches beaucoup de choses ? Après, vu qu'on ouvre tous ensemble autant de displays, normalement, on devrait choper des trucs, quoi. C'est ça, se rembourse vite. Ah bah moi, j'ai ouvert une boîte hier, qui est disponible, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. L'opening est dispo sur YouTube. J'ai chopé une petite hache en quarter. Ça rembourse la display. Fais pareil, QC. C'est facile, t'as vu, ta chaîne s'est remboursée. C'est quoi les raretés les plus chères dans la Rarity Collection? C'est les Quarter Century, ouais. Zulu qui va manger des pâtes pendant 3 mois. Bah mon fils aussi. On va lui apprendre ce que c'est la vie, hein? La vie, c'est pas manger au resto tous les jours, monsieur, hein? La vie, c'est manger des pâtes pour que papa, il ouvre des boosters, d'accord? En vrai, j'ai remboursé ma première box. Ah bah tu vois. Tu vois, QC, c'est tranquille. Oula, même des pattes, j'avais pas. Ah bah, tu vois. Mais après, toi, c'est comme quand tu t'entraînes pour faire du sport. Entraînement difficile, match facile. Bah là, c'est pareil, quoi. En anglais, je l'ai acheté à moins de 100 euros. Hein ? C'est moins de 100 euros une display Rarity Collection en anglais ? Ah ouais, j'aurais peut-être dû les acheter en anglaise. Utilisez vos primes, comme ça Zul m'offre une display. Aïe. Aïe. Comment dire, 89 euros en allemand. Ouais, mais personne va acheter une display en allemand. En... Attends, en Allemagne, en anglaise. Dans les magasins allemands, les displays en anglais sont à 89 euros. 95 euros en anglais. Wow. J'aurais pu en acheter beaucoup plus, en fait. D'ailleurs, Zul, j'ai toujours une requête pour une carte de fou de Inch. Ah, la synchro que tu veux, là ? On peut l'ouvrir, si tu veux. Tu les achètes tous tes displays. Là, je les ai achetés au magasin de jeux de cartes à Dunkerque. Au DC, au démasqué. Après, il faut avoir un bon level en anglais. En vrai, le niveau en anglais qu'il faut pour comprendre une carte anglaise de Yu-Gi-Oh, c'est easy, quoi. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème à comprendre un effet de carte Yu-Gi-Oh en anglais. Go la display, merci pour ton prime, Nicolas. Et j'ai acheté des saps. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, vous voyez rien, en fait. Je suis force bleue. Plus difficile en FR à comprendre. Ouais, c'est clair. Alors qu'un effet en français... Mieux que la veste d'Instit. Mais je me fais vanner pour sur ma petite veste d'Instit là, mais elle est bien. Parce que je me rappelle de toi avec l'Eclipse. Non mais en vrai, donnez-moi un effet de carte Yu-Gi-Oh, je vous la traduis là tout de suite. Enfin, donnez-moi un nom de carte et je vais la chercher en anglaise et je la traduis. Facile.
Franchement, les Pot of Greed, Draw, Two Card. Facile. Inspecteur Border, putain, les bâtards. Draw Two Cards, c'est vrai. Endymion. Non, mais je pense que Small World, c'est bien un truc de bâtard. Allez, on écoute. Bah, attends. Small World. Small World, plutôt. Yu-Gi-Oh. On va trouver, on va trouver. Ok. Ok, facile. Facile, facile, le chat. Ouais. C'est... Bam, ça. Ok. Reveal one monster in your hand. Révélez un monstre de votre main. Choisissez un monstre depuis votre deck qui a exactement un of the same type. Donc, qui a exactement un type équivalent. Un type... le même type, quoi. Un attribut, level, attaque ou défense, et vous bannissez le monstre révélé depuis votre main, face cachée. Ensuite, ajoutez depuis votre deck à votre main un monstre qui a exactement un de ces types, attributs, level, attaque ou défense, que le monstre choisit depuis votre deck. Et bannissez la carte choisie depuis votre deck face cachée. Vous ne pouvez activer qu'un Small World par tour. Facile! Ça pédale sec. Mais non, mais ça va, arrêtez! Time, easy. En vrai, easy! Non, vraiment, le texte des cartes en anglais sur Yu-Gi-Oh! Le lexique, le lexique, tu l'apprends une fois, gros! C'est comme les verbes irréguliers. Choose, choose, chosen, quoi. C'est facile, quoi. Hit, hat, hat, quoi. C'est... voilà, je vais pas tous les faire, mais... T'es chaud. Ah, merci, merci, merci. Ça a bossé, hein. Bah, hit, hat, hat, non? Brick, broke, broken. Hit, hat, eaten. Merde, c'est hit, hat, eaten. Merde. pas taper, les gens. Beat, beat, beaten. Ah, on connaît, on connaît. Quel play ces verbes irréguliers quand même. Hein. Quel play. Non, en vrai, j'ai jamais été mis en difficulté par un effet en anglais d'une carte Yu-Gi-Oh! Quoi. Alors que Franck. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû acheter des displays en anglais. En vrai, Yu-Gi-Oh! A à peu près 800 mots de vocabulaire. C'est autant que la télé-réalité. C'est ok en termes de niveau, c'est vrai en plus. Bah voilà, vous avez le planning de la journée, hein, donc on commencera par du Master Duel tranquillement, et on finira sur de l'opening de Zinzolin, les gars. Pour là, regardez la Hyper Zulu Production, quoi. Pour là, regardez, quoi. Je peux afficher, enlever les... Ouais, voilà, bref. Ah ! Oh non, je me suis trompé de touche. Hop là. Magique, c'est display. Ça bosse, hein. Ça bosse, ça bosse. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est la magie de la télévision, quoi. C'est... Je rappelle que vous pouvez soutenir la Hyper Zulu Production avec juste un Prime ou un abonnement. Ou un follow ou un abonnement sur YouTube, ça marche aussi. C'est moins cher, un abonnement sur YouTube, c'est 0€. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez. Bon, trêve de plaisanterie, là. Lançons cette âme. Lançons Steam. J'espère que tu vas voir le dieu égyptien slime. J'espère aussi. J'espère aussi. On peut te proposer des défis. Bah ça dépend ce que vous voulez en fait. Ça dépend ce que vous voulez. Moi je m'étais dit que c'était peut-être le jour où j'allais découvrir Rescue Ace. Un des top deck méta qui a gagné le YCS. Le dernier YCS Indianapolis. Mais qui n'est pas encore complet sur Master Duel.
qui n'est pas encore full power. Donc je me suis dit, ouais, je sais pas, est-ce que c'est le moment de découvrir Rescue Ace? Parce que là, tout à l'heure, je vais essayer d'ouvrir du Agov pour essayer de choper les cartes aux Russes. SP ou Diable Star. Et Diable Star, c'est pour jouer Rescue Ace. Après, si vous voulez que je joue encore éternellement avec mon caca, je peux jouer avec mon caca éternellement, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai ton défi depuis un moment. Ça peut être fun. Le cuisinier malhonnête. Bah, c'est déjà fait, KP. Hein. C'est facile, en fait. Il m'a donné la carte la plus simple du jeu. Le cuisinier malhonnête. Il y a déjà même une vidéo YouTube sur ma chaîne. Il manque beaucoup de rescue. Le deck m'a l'air stable. Alors, allons voir. Hein. Attendez, c'était quoi, ça? Ah oui. Qui était là au dernier live? Le dernier live, c'était... On a live mardi, je crois. On avait affronté un Kemé qui jouait ça. J'avais trouvé ça très drôle. Ah oui, on avait dit de faire un deck gardien celte. On s'était dit de faire un deck gardien celte, non? Un deck gardien celte Morganite. Po, le génie! On commence par ça. Qui est chaud pour gardien celte Morganite? Tu as déjà fait gardien celte. Oui, mais là, ce sera un gardien celte Morganite. Impossible deck gardien celte. Crois-moi, j'ai testé en tous les sens. Tu as dit ce qu'il fallait pas dire. Tu as dit que c'était impossible. Alors, je vais le faire, mon ami. Merci, Maroutan. Non, c'est pas Maroutan. C'est Insomniac Boy. Merci. Il a prononcé les words. Il l'a dit. Il l'a dit, on va le faire. Ok, je rebrousse mes manches. Bon. Donc bonjour à tous, messieurs, dames. Si vous venez d'arriver sur ce live, nous allons exécuter un... Je vais y arriver. Waouh, l'AVC en live. Oh, le mec, depuis qu'il fait du sport, le cerveau n'est plus assez irrigué, je vais boire un coup. Dans à peu près 22 minutes, je vais devoir aller pisser, mais vous allez... Enfin, vous savez pourquoi, mais non, je dois aller souvent pisser. Bref, le cerveau est irrigué, on peut reprendre. Messieurs, dames, vous avez peut-être manqué le dernier live où nous avons, sur la toute dernière game du live, affronté un joueur du nom de... J'ai pas le nom. Qui jouait ce deck-là. Et vous le savez, J'adore me nourrir du deck de mes adversaires. Miam, 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 miam. Et essayer de rendre leurs rêves réalisables. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce deck et de l'améliorer. Et de baser le deck autour d'une carte. Le seul et l'unique, le gardien celte. On va essayer de faire un deck gardien celte, les gars. On va essayer de se faire ça. On va essayer de faire ça. Et même pas, on va pas essayer, on va le faire. On va le faire, vous inquiétez pas. Je vais juste enlever le petit trait d'union qui se trouve juste ici. Et let's go, et let's go, let's go, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Bah, je pense que je vais pas faire de faux suspense. Je pense que je vais tout enlever. Et on va essayer de reconstruire autour de gardien celte, non? On va peut-être pouvoir garder... Anneau de destruction. Des cartes peut-être comme ça. Je sais pas. Allez go. Ça on enlève. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Explosion secrète. Un jet 300 points à votre adversaire pour chacune carte qu'il contrôle. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de votre hasard en cimetière, un G 1000 points de dégâts. Ça pue la merde. Alors, l'appel du squelette, chaque fois qu'une carte est envoyée au cimetière, un G 300 points. Ça pue la merde. Absorption de compétences, on peut y réfléchir à laisser.
Mais je pense qu'on va tout enlever. Juste ça, c'est quoi? Durant le calcul des dommages, si votre monstre attaque, si votre monstre combat un monstre adversaire, durant le calcul des dommages uniquement, l'attaque de votre monstre combattant devient l'attaque du monstre adversaire. Et aussi, le contrôleur d'un monstre détruit par ce combat reçoit des dommages égaux à l'attaque d'origine. À la fin de la damage step, si votre monstre... Ok. Vous pouvez bannir... Ok. Ouais, on va enlever. Hein, on va juste jouer des bonnes cartes parce qu'on veut gagner. C'est vrai? Tu trouves ça ok pour la strat? Toi, tu trouves ça ok pour la strat? Je sais pas. Alors, déjà, on va essayer de définir notre strat. Mais avant de définir notre strat, nous allons procéder à la lecture de celle-ci. Ne peut pas attaquer tant que vous avez des cartes dans votre main. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre celte depuis votre main. Lorsque cette carte attaquante inflige dommage à votre adversaire, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de celtes que vous contrôlez. Oh, ça va être trop bien! Oh, ce deck va être une dinguerie. Est-ce que je dois vraiment ne pas jouer Maxé? Je pense, hein. Morganite. J'en ai zéro! Oh, ça va me coûter une fortune. Le reste de ce duel, appliquez les effets suivants. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main. Donc je peux pas jouer d'entrap. Durant votre draw phase, piochez deux cartes au lieu d'une pour votre pioche normale. Vous pouvez mener deux invocations ou post normales par tour et pas uniquement une. Oh, j'avais oublié! Oh, j'avais oublié! Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis défausser une Morganite. Non mais ça va être banger. Donc ça veut dire qu'on peut pas jouer d'entrap. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, bon. Bon, c'est quoi cet extra deck? Y a rien qui va non plus. Alors, on va tout reprendre à zéro. Alors... Renfort. Est-ce que j'ai envie de mettre ça? Non, j'ai pas envie de mettre ça. Je pense que j'ai envie de mettre des puissances du mage. Parce que moi, je suis un ouf. Puissance du mage. Ensuite. Bonjour, The Lord Darcia. Le gardien celte normal avec le dé imprévu. Ça, c'est compté comme un gardien celte? Vous pensez que je dois faire ça? Ouais, non, c'est nul. C'est nul comme strat, non? Pourquoi vous voulez que je joue un dispositif? Stop, non. Non, mais attendez, on build et on voit. Alors, le deck, no entrap. Gardien celte. PTT. Est-ce que dans notre deck, est-ce qu'on doit mettre un PTT? Parce que ça veut dire que je peux faire deux normales, donc j'avoue qu'il me faudra en fait des gardiens celtes. Ça va finir en bagousse kappa, ça passe de dé imprévu plus non. C'est possible. Merci Legolas pour le prime. Y a pas une carte qui dit tous vos monstres peuvent attaquer directement les points de vie de votre adversaire? J'imagine que ça n'existe pas. Alors, Morganite combatte pas avec le gardien celte aux armes jumelles, vu que son effet d'invoque spé... Mais je l'ai pas aux armes jumelles. Hein, qu'est-ce que tu dis? Je l'ai pas joué, on est d'accord? Tu parles d'une carte que j'ai pas dans mon deck.
La magie avec les trois monstres du même nom. Ouais, mais ils sont pas traités comme monstres du même nom, c'est ça le problème. Si tu joues un package ninja pour l'équipement, tu peux faire attaquer ton gardien sel directement. Ouais, il est gros ton package ninja? Je viens d'arriver, on fait quoi? Je vais dire arme noble. Ah, il y a un truc arme... Ah, celui-là? Ne veut pas attaquer tant que vous avez des cartes dans votre main. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un sel depuis votre main. Oui, mais l'effet s'active depuis le terrain, donc il n'y a pas de problème. Lorsque cette carte attaquante inflige dommage de combat à votre adversaire, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes celles que vous contrôlez. Il n'y a aucun problème. This is no problem, d'accord? D'accord, d'accord. Agresseur Delta. Non, je peux pas jouer. Messieurs, dames, je peux pas jouer. Vous ne pouvez activer machin qui lui reste 3 monstres. Ouais. Et 3 monstres peuvent attaquer directement les points de vie. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, mais. C'est marrant, mais bon, on a envie de gagner des duels quand même. J'y réfléchis parce que là, la situation, c'est. Bah déjà on va mettre Gozen Match en fait. Déjà on va mettre Gozen Match. Déjà combat en présence de l'empereur, on joue que des terres. Dame guerrière novice. Est-ce que vous pensez... Ah, parce que j'avoue qu'il nous faut absolument ça. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher Fenrir. Ah, Fenrir combatte pas avec ça. Mais j'avoue que Fenrir marche trop bien, quoi. Et Fenrir, en plus, ça s'active pas. Chevalier de la parade, non. Ça s'active depuis la main. J'avoue que j'ai envie de jouer Fenrir, mais... Ça casse un peu le délire, mais... Quel banger, cette carte. Quel banger! Ça veut dire que je peux pas jouer, je peux plus jouer Rivalry. Small World. Mais Small World passe? Parce que on est d'accord, Small World, ils doivent avoir qu'un seul point commun. Ça ne marche absolument pas. Ils sont guerriers, ils ont tous 1400 d'attaque, à part celui-là, niveau 4. Non, guerrier terre. Ouais, ça passe pas, on est d'accord. Bah, joue un bridge. Ouais, est-ce que j'ai envie de m'emmerder avec ça? Oui, mais avec Fenrir, ça passe. Ah. Parce qu'ils sont... Parce que là, c'est que terre, en fait. Ça veut dire que si je fais effet Fenrir, effet tuto, je peux plus faire Small World. Après, le problème de Fenrir, c'est que le deuxième Fenrir va rester en main, et du coup, je vais pas pouvoir battle avec Gardien Celt. Vous voyez? Moi, je pense que Fenrir, c'est à la fois une bonne carte et à la fois un truc un peu chiant dans notre deck. Je connais pas les armes nobles. Il y a des cartes intéressantes sans que ce soit des gros packages. Parce que je vais pas lire tout ça là, j'ai juste pas le temps en fait. T'es pas obligé de tuto l'autre, c'est vrai. Isole pour les magies d'équipement. Regarde les magies. Ah mais il n'y en a pas qu'une des magies. Capitaine en maraude, ouais, c'est old school quand même. Mais j'avoue, ça peut peut-être passer. Après, il faut pas que j'ai trop de monstres en main si je veux pouvoir set toutes mes cartes. Mais j'avoue qu'avec Morganite, ça marche bien parce que j'ai le droit à deux normes. Isole pour Spell Guardian.
Ah, les lumières, déjà c'est chiant. Cette carte est invoquée par lien. Vous pouvez ajouter un monstre guerrier depuis votre deck à votre main, mais le reste de ce tour, vous ne pouvez ni invoquer, ni poser normalement ou invoquer spécialement de monstres de ce nom, ni activer leurs effets. Vous pouvez envoyer un nombre de votre choix, de magie d'équipement, de noms différents depuis votre deck au cimetière et invoquer spécialement un monstre guerrier depuis votre deck dont le niveau est égal au nombre de cartes envoyées. Est-ce que vous y croyez en cette stratégie? C'est-à-dire que il faut que j'ai Morganite en main ou un dé imprévu et au moins deux gardiens celtes pour faire Isolde, envoyer 4 magies d'équipement de noms différents. C'est pas impossible, hein. Après, on peut tester. Putain, je l'ai pas, Isolde, ça va me coûter une fortune encore, ce deck. Héritage du calice. Ajoutez un monstre, chevalier noble, ou une carte depuis votre deck à votre main, machin. Si votre chevalier noble équipé a une magie d'équipement, arme noble est détruit au combat et envoyé au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. C'est bien ça. Donc ça, c'est notre tuto en fait. Ça, ça me permet d'aller chercher ça. Un monstre chevalier noble ou une carte arme noble. Ok. En général, tu spé Renault, chevalier noble, Inferno avec Isolde pour récupérer ta magie d'équipement. Oui, sauf que moi, ce que je veux, c'est garder ça sur le terrain, quoi. Non, mais on peut tester d'en laisser une. Alors, on m'a dit Claren. Et Athos, Claren. Équipable uniquement un monstre guerrier. Ok, on est dans le thème. Vous ne pouvez contrôler qu'une arme noble, Claren. Ok, on peut en jouer qu'une si on veut. Une fois par tour, vous pouvez payer 500 points de vie. Le monstre équipé peut attaquer directement ce tour. Si cette carte face recto sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre chevalier noble, guerrier que vous contrôlez, équipez-lui à cette carte. Ok, bien ça. Et du coup, tu peux le tuto. Ok. Si j'ai ça et que j'ai déjà ça en main, je peux aller tuto ça. Ok. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, Morganite qui me fait... Ok. Ensuite. Le fameux deck de la gardien celle de la table ronde. Ah bah, en vrai c'est pas mal. Regarde le buis. Ça n'existe pas, cette carte. Le bouclier. Ah. Le bouclier. Le bouclier. Faut que je le trouve, déjà. Oh, table ronde du chevalier noble, c'est quoi? Tu retrouves une phase, vous pouvez activer machin. Peu partout. Un chevalier noble de nombres différents. Ah ouais, envoyer un chevalier noble depuis votre. Ok, invoqué spécialement. Ouais, ça marche. 12. Si t'as 12 chevaliers nobles de noms différents dans ton cimetière ou que tu contrôles, tu peux piocher un. Faut les 12. Le bouclier n'existe pas, non? Tu me fais perdre mon temps, non? Ah, ces cartes, c'est pas forcément monstre. Ok. Je vois ce que tu veux dire. En vrai, ils sont stylés, les monstres. Mais bon, je pense pas que... On est d'accord, dans les monstres, il y a rien à en tirer, vraiment. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, pour invoquer spécialement machin, ouais, ça... Hop, peut-être celle-là.
Lorsque une attaque est déclarée impliquant votre autre monstre guerrier et un autre monstre fatracto, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre de votre adversaire fait une attaque. Ok, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre terre guerrier dans votre cimetière et ajoutez-le à votre main. Donc, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre terre guerrier dans votre cimetière et ajoutez-le à votre main. Ok, ça marche bien si je fais isole du coup. On peut tester, mais je pense que je commence à avoir beaucoup de monstres. Renaud. Si vous contrôlez un monstre feu guerrier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, donc j'en aurai pas. Si elle est invoquée de cette façon, traitez machin comme un synthoniseur, Osef. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement Renaud, machin, qu'une fois par tour de cette façon. Ça n'arrivera pas. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un de vos monstres feu ou un des magies d'équipement qui est banni ou dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Ouais, bof. Ok, alors. Il me reste potentiellement plus que 9 places. La question... Est-ce que je go first ou est-ce que je go second? Ça, c'est un vrai truc. Est-ce que je go first ou est-ce que je go second? Techniquement, vu que je joue des floodgates, je suis censé jouer first. Ah, tu veux que je joue utopie double? Destiné. Un noble. Destiné. Vous ne pouvez contrôler qu'une arme le noble de la destinée. Équipe uniquement un monstre de type guerrier. Une fois par tour, le monstre équipé ne peut pas être détruit ni au combat ni par effet. Cette carte face recto sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière. Vous pouvez cibler un monstre chevalier noble de type guerrier que vous contrôlez équipé. Ouais, c'est nul. C'était ça le bouclier du coup. Je préfère mettre. Pouvoir des gardiens là, ça c'est drôle mais trop situationnel. Hello le malchanceux. 3 chevaliers de la sublimation et un queen chevalier. Je sais pas si j'ai envie de faire une boucle avec Isolde en fait. Puis votre main ou deck. Non, je pense que je vais rester comme ça. Sinon, dizaine trap ego. Alors toi, t'as pas compris le deck. Visiblement, tu n'as pas pigé. Non, je pense qu'il faut jouer first et... Alors... Est-ce qu'on rejoue ce bon vieux Kaiser Colosseum? Après, en piège, qu'est-ce qu'on peut jouer? Piège ou magie rapide? Parce que je pense qu'à un moment, on va se retrouver avec trop de cartes. On va trop piocher dans ce deck. Hein. On va vraiment trop piocher. Hein. Isole, tu peux récupérer la magie d'équipement que tu veux ou tuto. Un monstre guerrier. Ouais, j'ai pigé. Je vois plutôt... Ça comme full board breaker. En vrai, c'est pas inintéressant de le jouer en board breaker. Tu vas trop piocher Go Gauntlet. Gauntlet, c'est pas mal, je pense, dans le deck. Parce que ça peut permettre de réguler un peu. Un jour de paix. Ah ouais, toi, tu veux que je joue des cartes comme un jour de paix? Je vois pas trop l'intérêt. Livre de l'éclipse lune.
Bon, on est dans la période full théoriecraft, hein, tout va bien. Infini éphémère. Pour moi, infini éphémère, c'est trop faible. Il faut vraiment des trucs qui empêchent l'adversaire de jouer. Mur de fer impérial, c'est jouer contre cash. Ah, pour éviter de, que les trucs soient ban. Aucun joueur ne peut bannir de cartes. Ouais, mais faut encore que je tombe contre cash, tu vois ce que je veux dire. Force de miroir qui renvoie dans le deck. Et on est là pour... J'avoue, on est là pour s'amuser, non? J'avoue. Renvoyer tous les monstres en position d'attaque. Adversaire à la main. Ok, est-ce que j'ai envie de les renvoyer à la main? Dans le deck, c'est mieux, non? Torrent, ça a double tranchant. J'ai envie de mettre des trucs comme Réveil du dragon. Parce que de toute façon, j'ai rien dans l'extra. Bye bye les dégâts. Ça... Ouais, je pense que je vais mettre un cylindre. Les gouttelettes, j'ai un doute parce que ça va me consommer. Ça va me consommer une quantité de cartes infernale, quoi. Max et H, non, on peut pas jouer de Entrap. Elle, c'est pas mal parce que ça me permet de recycler quand même. Le seul problème, c'est qu'elle est niveau 3. Bye bye, les dégâts, c'est plus fort que cylindre. Pourquoi c'est plus fort? Tu mens, non? Durant le calcul des dommages, si votre monstre est attaqué, votre monstre combattant ne peut pas être détruit. Et aussi, si vous recevez des dommages de combat, votre adversaire reçoit des dommages et effets. Ego double. Bon, il est d'accord que mon monstre meurt. Là, si tu perds le dé, t'as perdu. Ça dépend. Pas forcément pour moi. J'ai peur que TTT et PTT soient pas facilement activables. T'as aucune win condition là, c'est vrai, j'ai pas grand chose. La tortue magnétique. j'adore les propositions du chat. Bah si t'affrontes pas un clown. En fait, ma win condition c'est Gozen, mais full Kaiju. C'est vrai que Kaiju. C'est vrai que Kaiju, je vais en avoir besoin. Putain, il est dur à faire ce deck. Il est pas évident. Je peux pas mettre Golem de lave, j'ai besoin de ma norme. Ça va être chaud, je te l'avais dit. Mais oui, mais c'est pas impossible. Surtout avec deux normes, exactement, ouais. J'ai combien de différentes d'équipement 1, 2, 3. Je peux même pas faire Isolde. Merde. Je pense qu'il nous faut au moins un qui joue. On met le gamme ciel, hein. Le but, c'est de taper. Je comprends pas pourquoi il faut Renault, les gars, en fait. Parce que si je fais Renault, si j'invoque... Ah, c'est parce que ça coûte que un matos.
En fait, le problème, c'est que pour que mon deck soit efficace, il faut que j'ai beaucoup de gardiens celtes sur le board. Tu vois ce que je veux dire? Mais en 3 des quiches. Ouais, mais la place, elle est tellement dure. Elle est tellement dure à trouver, les gars. En gros, Isolde spé Renault et tu foolishes l'équipement que Renault récupère. Ça, j'ai compris. J'ai compris. Le problème, c'est que j'ai deux normes. Vous voyez bien que j'ai aucune invoque spé à part Fenrir. Donc, je fais Fenrir. Je fais gardien celte machin. Ma deuxième Nord, admettons ça. Je fais Isolde avec Fenrir et gardien celte normal. Ça me laisse une magie d'équipement pour piocher un parce que j'ai plus qu'un seul gardien celte. Non, pour moi, Isolde, elle est là pour spé un... Ouais, je sais pas. En plus, faut deux guerriers. Ouais, y a rien qui marche. Y a rien qui marche. Pour moi, Isolde, c'est la fausse bonne idée. Il faut qu'elle soit là dans un cas extrême. Mais rentrer Renault juste pour Isolde... Elle peut invoquer Lucimcher, Isolde? Depuis votre deck dont le niveau est égal. Ouais. On va nulle part avec ce deck. Mais c'est ce qu'on doit trouver. On doit trouver le chemin de notre destinée, QC. Moi, je crois que ça va être du solo win pour Fenrir. Et ben, on aura peut-être un Fenrir à 8000 qui tape deux fois et terminé, quoi. On sait pas où on y va, mais on y va. J'aime pas trop le miroir de la lune, moi. Parce que ça rend la game super longue, quoi. Pourquoi pas Utopie? Alors, je vais faire l'extra deck, parce que... Je vais faire cet extra deck, vous inquiétez pas. À Utopie double, c'est une sacrée condition de victoire, mais vu le nombre de... En fait, je peux pas être Utopie double. Y a pas moyen de faire un max de superposition avec Utopie normale. Du Garrus. Ouais, je vois. Dame guerrière, dame pierre de feu. Attends. Baguska, oui. Baguska, c'est mon main monstre. Je sais qu'Utopie double fait la win condition, mais on va tellement piocher que je vais souvent me retrouver avec la kit en main qui va me servir à rien, quoi. Pensez que je dois faire Utopie double? En vrai, je pense que ça me donne pas mal de game, quand même. Je pense que ça me donne pas mal de game. Je vous recharge sinon. Boîte folle plus jar TD. Waouh. On mélangeait tous les decks là. Alors. Dame pierre à feu. Niveau 1. Si vous contrôlez un monstre guerrier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Depuis votre main. C'est un effet qui s'active? Est-ce que c'est un effet qui s'active, je pense. Vous pouvez envoyer cette carte depuis le terrain au cimetière. Invoquer spécialement ce gagne le max depuis votre main. Et si vous le faites, votre adversaire ne peut pas cibler. Parce que si ça s'active, on peut pas jouer Morganite. Il y a donc deux points, donc ça se déclare. Spadassin des flammes féroces. Ça a l'air d'être nul à chier, mais je vais regarder. Deux monstres non différents. Tous les monstres guerriers sur le terrain gagnent 500.
Ok, si cette carte est invoquée par lien et détruite au combat ou par effet, tant que okay, vous pouvez cibler un monstre non lien guerrier dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. C'est gaulerie parce que c'est une carte un peu de l'animé. C'est pas très fort, quoi. Et je vais utiliser deux monstres. Donc deux spadassins pour faire ça. Deux gardiens sel pour faire ça. À mon avis, ça, c'est une fausse bonne idée. Bon, ça me fait kiffer de jouer des spadassins, par contre, mais... Link Spider. On peut. C'est que pour l'instant, je suis pas convaincu, quoi. Boîte à outils. Mais on va trouver. Si vous contrôlez un monstre, vous pouvez révéler deux magies d'équipement depuis votre deck de noms différents. Votre adversaire en prend une au hasard pour vous à ajouter à votre main. Et aussi placer la carte restante en dessous du deck. Vous ne pouvez des machins qu'une fois par tour. C'est pas inintéressant. Le seul problème, c'est que c'est une magie continue. Qu'est-ce que vous pensez de boîte à outils ? Parce que techniquement, tu peux le faire une fois par tour, mais le problème qu'on va avoir, c'est les zones qui vont se remplir, hein. C'est ok quand t'as pas mal d'équipement. Bah là, pour l'instant, j'ai 4 cartes d'équipement. 1, 2, 3, 4. Tu veux une negate simple. Quelle est ta proposition? Tu peux le faire qu'une fois, mais ça fait cher. Ah oui, tu peux le faire qu'une fois en plus. Non, tu peux le faire... une fois par tour. Ça peut combler les zones contre cache-tira en vrai. Ah mais de toute façon, le problème de notre deck, c'est... Normalement, si on s'en sort bien, on va piocher beaucoup avec ça. Ah non, mais si tu le fais qu'une fois, ça fait charge de... Oui, on est d'accord. C'est parce que pour libérer de la place, on a gouttelette, mais bon, c'est dur de jouer... Gearfield Phoenix. Vous pouvez bannir une magie d'équipement depuis votre terrain ou Sincher, invoquer spécialement cette carte. Au début de la damage step, si cette carte attaque... Oui, mais je peux pas le... Je pourrais pas activer l'effet de dans la main, en fait. Vous pouvez attaquer... Vous pouvez équiper un monstre face recto. Donne 500. Lorsqu'un effet de monstre est activé, vous pouvez envoyer une carte magique en face. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est bien, mais à la fois, on peut pas jouer Morganic, quoi. J'avoue, la statue barrière terre. La statue barrière terre. En vrai, c'est pas déconnant. La statue barrière terre. Captain en maraude, j'aime pas trop. La statue barrière terre, par contre. Il va spé Fenrir, tu vas la voir, ta statue. C'est-à-dire... Enlève Morganite et mets Maxé, ça me paraît tellement plus rentable. En plus, tu vas pas craft 3 UR. Ouais, après Morganite, ça peut être joué dans plein de decks, mais... C'est vrai que Morganite... Jouer Morganite quand Maxé existe... Jouer Morganite quand Maxé existe, c'est...
c'est pas très intéressant. Raz le guerrier. Ouais, mais Raz, c'est trop lent. Je vois ce que c'est. Bon, visiblement. Bon, on le trouve pas, mais c'est pas grave. Une horreur digne des pires moments de la HZ Prod. De quoi? Ah, la statue barrière. On peut tester, hein. On peut tester. Le problème, c'est effectivement la stabilité, là. Là, le problème, c'est quand même la stabilité. Le problème, c'est que la statue, faut que je l'équipe pour qu'elle soit vraiment intéressante. Et je peux pas mettre non plus... Ah. On est d'accord que le Keiju, ça se déclare pas. Hein. Donc on peut jouer Morganite et Keiju. Hein. Mais un Keiju terre. Pourquoi jouer un Keiju terre? Ah, avec la statue. Il y en a pas. Ça n'existe... Ah si. 2004. Ouais, on va mettre lui, on va mettre lui. Pourquoi t'as héritage du calice? Parce que ça tuto ça ou ça. Ou ça. Pas attaquer directement ce tour. Ouais, c'est pas mal. Ok, pff, ça je vais pas craft les gars, c'est nul à chier. Zeus. X64 que je pourrais mettre. Je vais mettre le bouclier quand même parce que le bouclier c'est utile sur la statue. Les Zodiac. Ah. Je connais pas les combos Zodiac par contre. Deux monstres ou plus de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz. Attaque et une défense. Il faut que je mette lesquels du coup? Ça. Sakanine. Et en first avec deux monstres, puis tu stack. Alors dites-moi le chat du coup. C'est elle en first. Je veux jouer au moins mettre Dridan dedans. Point ok. Oh, ça va être chaud l'extra deck. On va enlever ça. On va enlever ça. Le singe. C'est lequel le singe? Sangliark. Ouais, c'est lui. Minimum 3 monstres. Mais du coup, je peux le faire. Je peux le faire sur Chakadine, en fait, c'est ça? C'est quand pour les displays? C'est marqué dans le titre. Le vert clair. Lui?
Lorsque cette carte inflige dommage de combat à votre adversaire tant qu'elle a minimum 12 matériels. Ah ouais, d'accord. Ouais, sanglier arc. Ok. Donc là, j'en ai une, deux, trois, quatre différentes. Je vais en mettre d'autres. Dégage le marteau Kong. Il sert à rien. Tant que cette carte machin, votre adversaire ne peut pas cibler. Non, Osef du marteau. Ok, donc je peux jouer avec un package avec seulement 3 Zodiac. Ok. Ok. Alors. Putain, j'avoue que j'ai du mal à croire en ce deck, hein, mais. Elle est où Morganite là? Elle est dans ce pack là. Putain, j'ai même pas assez quoi. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. Ah ouais, non, ça marche pas. J'allais mettre des maxés, mais du coup, j'aurais que. C'est devenu un deck purely en moins bien. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Moi, je pense que ça peut marcher. Le seul problème, c'est des imprévus et Fenrir, ça marche pas ensemble, quoi. Donc en vrai, il y a un monde où juste je fais ça, en fait. Où je peux laisser un dé imprévu à la limite. T'as pas Vernusylve pour remplacer Morganite? Non, mais j'ai envie de faire un deck Morganite, moi. Fenrir a rien à foutre, là. Ah, mais il permet de tenir la baraque quand même, hein. Le seul problème, c'est si j'en ai un. En fait, faudrait que je joue Fenrir à 1. Faudrait que je joue Fenrir à 1. Parce que si j'en ai un deuxième en main, ça va me saouler. Après, je pense que je suis obligé de la garder, quoi. Mais il y a un monde où il va me saouler, Fenrir, hein. Il y a un monde où il va me saouler, Fenrir. TTT, on en pense quoi dans ce deck? Moi, je pense que j'arriverai pas à les résoudre. C'est dur de pas les mettre, et en même temps, je pense que j'arriverai pas à forcer leur activation. Vous voyez ce que je veux dire? Tu prends Norme la deuxième au pire. Bah ouais. Remplace la deuxième par le Shad Obélisque. Je fais quoi? PTTTTT le chat. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Bon, déjà ça, hein. PTT, oui, TTT, bof. C'est dur parce que PTT, elle peut aller chercher TTT et souvent faire piocher. Ça aide en go second. Vas-y, on va tester quand même. Allez, on va décraft, hein. Putain, j'aurais jamais assez pour faire 4 UR, là. Je crois que je vais décraft les royales. Hein. J'ai beaucoup de cartes en royal. Pensez que j'en ai combien, genre? Je pense que je dois en avoir 15. Je pense que j'en ai 15. Ok, j'en ai 18.
Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des trucs dont on s'en contrefou? Il y a des trucs que je peux pas décraft de toute façon. Genre, tu décraft des royales pour un deck celtique. Mais en fait, le deck royal, je pourrais jamais le faire. C'est une utopie, les gars. T'as un pack offert. Let's go pour le pack offert. Let's go. Oh, oh, peut-être pour Isolde. Oh, ce serait ouf. J'y ai cru, mais non. J'y ai cru, mais non. Au revoir, Fenrir, et bonsoir, les bestiaux. Tu peux pas jouer bestiaux avec Morganite. Ouais, je vais des crafts maxés, t'as raison. Mes gardiens et Athos en royal avec son équipement qui est considéré comme bof. Putain, j'ai envie de tester ce deck, mais j'avoue que il n'y a pas plus inutile comme carte quand maxé existe, quoi. Il n'y a pas de target à réveiller des dragons, t'as raison. bien vu, Akalavolo. Parce que moi, je pense qu'on vit un moment quand même, tu vois. Réveil des dragons, invoque gardien celte. Oui, il y aura une rediff de l'opening. Si tu vas dans démonter les cartes sélectionnées, ça met les cartes que tu veux décraft. Ouais, je vois. Bon, allez, je regarde ce que je peux décraft quand même. En fait, ce qui est chiant... Ce qui est chiant, c'est que dans 200 gemmes... Dans 200 gemmes, je peux acheter un pack. Et j'aurai des Morganites dedans. Donc je vais juste faire... Hein ? Il y a eu une réinitialisation. Oh, le seum. Morganite, c'est pas sûr que tu t'en serves à nouveau. T'as raison. En même temps, ce deck gardien sel, j'ai envie de le faire pour pouvoir jouer Morganite, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est peut-être le seul deck FR qui peut jouer. Oh. Il sort en ranked obélisque. Bah bien sûr. Meilleur deck possible. Je pense que je le fume là. Flounderies peut jouer Morganite. Ah ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment des listes Flounderies avec Morganite? Non, sous le Morganite, tu peux le jouer dans Umi Control, c'est fort. Ouais, mais est-ce que tu veux. Est-ce que tu vas pas toujours jouer. Est-ce que tu vas pas toujours jouer maxé? Gros sondage, nombre de games avant la win. Ah bah là, cette game-là, je la gagne. Cette game-là, je la gagne. Trou Draco, Morganite. Oui, mais pareil, est-ce que dans un Trou Draco, tu préfères jouer Morganite ou Maxé? Merci pour le PTT. Derrière fait le CDF, oui. Après, j'avoue que Morganite Umi Control, c'est marrant. Morganite Umi Control, c'est très drôle.
Morganite, Spirit, Exodia. Spirit, Exodia? Réfléchissant. On va piocher, on va piocher. Vol pour la tribute. Non, non, on va piocher. Oh, il a hache. J'en reviens pas. Non, ça va. Ouais, le Monster Reborn, c'est pas fou fou quand même. Ah, je peux faire une synchro 8. Ah mais non, je peux même pas faire Ange du Chaos. Et ben, je pense que je dois juste... Battle, en fait. Le pire, c'est Runic, Floodgate, Morganic. Ah... Wouah! Il joue un deck de Yugi Muto. Hulk, t'as oublié le Tierleman dedans, le cash tir ra. Ok, il joue un deck Yugi Muto. Ah, il joue donc un deck Yugi Muto, tout va bien. Ben nous on joue un deck Obélis, le tourmenteur, même si on joue Fenrir. Le mec est en 2006, c'est vrai. Fenrir, le tourmenteur. C'est-à-dire qu'il y a une force de miroir là, c'est trop mignon. C'est sûr, il y a une force de miroir là. Johnny Mouton. Bien vu. Bon, je gagne 200 gemmes. Je m'achète le pack avec Morganite. Si j'en ai au moins une, venez, on la joue quand même, quoi. Moi, j'attends que ça sorte dans Master Duel. Oh là là. Oh, qu'est-ce que vous allez bouffer du deck du Égyptien quand ça, ça va sortir sur Master Duel. Aïe, aïe, aïe. Vous allez déguster, hein. Vous allez déguster, je vous préviens. C'est quoi la carte? C'est comme... Ah, il n'y avait pas de force de miroir. C'est comme trade-in, sauf pour les monstres de niveau 10. En gros, tu envoies au cimetière depuis ta main ou ton terrain des monstres dont un niveau qui ont un niveau équivalent à 10... Et tu pioches 2. Je comprends pas quel target il voulait que j'utilise. Oh, je... Vous voulez voir un truc drôle, le chat? Est-ce que vous voulez voir un truc drôle? J'utilise ton dieu Gisela Slime et ta slime pour faire mon dieu égyptien! Voilà! Alors ça, ça arrivera pas souvent. Diabolique. Je l'avais jamais invoqué par fusion. T'affrontes ton double. Non, non, non. J'affronte une version sous-évoluée de moi-même. Hop là. Quel bonheur
franchement, merci. Merci, merci, grand Dieu, d'avoir inventé le Obélisque le Tourmenteur. Et ce deck, oh, qu'est-ce que c'est fabuleux. C'est très sournois. Ah bah, on est à là. Bon, après, ils jouent un deck Yugimuto, quoi. La target Super Body, improbable. Ouais, après, je pouvais faire Garoura, quand même. Non ! Le Typhon d'Espace Mystique ! Non ! Yugi ! Oh non ! Oh non ! C'est un Typhon qui negate ça, je reconnais. Hop là ! Oh, je peux le spé direct ? Ah bah bien sûr, je vais le spé. Comme ça, je pourrais taper avec. Oh, c'est maléfique, ça. J'avais jamais pensé à faire ça. N'oublie pas ta magie qui bloque les attaques. Bah oui, mais regarde, il n'y en a aucun qui a été invoqué ce tour. Vous voulez une victoire avec Obélix le Tourmenteur ? C'est ça que vous voulez, le chat. Vous voulez donc une victoire avec Obélix le Tourmenteur ? Je comprends, je peux vous offrir ça. Je peux vous offrir ça, le chat. Nous pouvons. T'as abandonné Gardien Cell. J'ai pas encore les cartes. Ah, je peux faire effet Fenrir, par contre, aussi. Bon, là, je joue avec mon caca. La question, c'est est-ce que c'est un Marshmallow qui est là ? Oh, c'est tellement un Marshmallow. Je les connais tellement, les joueurs de Yugimuto. On va spé. On va activer effet. On va pioche 2. Let's gong! Let's gong! Ah, je peux invoquer normalement Obélix le Tourme. Comment je peux faire pour faire en sorte de me choper un Nibiru dans la teuté là? Vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire. Oui, ça marchera pas. Allez, hop. On fait de la place. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire un lien Kuribo avec âme des magiciens, Monster Reborn sur Guardian Slime. Licorne avec les trois. Ah ouais, c'était tellement mieux. Défausser une carte. On va défausser ça. Oh là là, voilà mon Obélisco. Obélisco le tourmenteur. Allez, bas-le. C'est vrai qu'on a joué un peu avec notre caca. Bon, on attend de quoi avoir 200 gemmes. Le deck de son grand-père ne contient pas Nibiru. Ah bah ça, c'est sûr. Je vais aller vérifier quand même, mais... On joue premier ou deuxième avec ce... Je sais jamais. Vas-y, on joue premier. Je crois qu'on est censé jouer second. Mais...
Salut Radar. Ah. On fait pas grand chose ici. On fait pas grand chose ici. Chaud, oui, bien sûr qu'on est chaud. On va voir contre quoi on joue. Ok, c'est un cache en face. On joue contre un cache tigre. On joue contre un cache tigre. Ça peut être Flounder aussi. Oh, si c'est Flounder, pitié quoi. Est-ce que je fais tout pour piocher un? Non, je pense qu'on fait ça. Est-ce que QC a eu le temps d'acheter la deuxième display? J'espère. On l'espère tous. Ah, j'ai plus d'eau. Ah ! Un pendule. Ah. Apparemment, c'est un pote à moi. C'est foutu pour les 200 gemmes si on tombe contre des caches, mais non. Cette carte en fait ajouter un monstre pendule. Ok. Je commence à 17h30 l'opening, les amis. Une giga opening même. Regardez ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va être fabuleux. Aïe, Druidswarm. En vrai, Druidswarm peut faire des... Il peut faire des trucs, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher un Druidswarm et un clown? Alors qu'il a rien sur le terrain. Parce que là, je peux faire Ange du Chaos. L'argent des abonnés de ce mois-là est là. Bah ouais, mais... Abonnez-vous. Il n'y a plus rien, là. Âme du magicien pour droit, c'est très très nul, mais bon... Abonnez-vous les amis! N'hésitez pas à soutenir la Hyper Zulu Production. On est ravis, c'est faux. Il y a même le bro QC qui dit qu'il faut s'abonner pour qu'il aille acheter une deuxième display. Ça c'est un vrai bro. Ça, c'est un vrai bro. Franchement, je sais pas si... Si j'ai envie de lâcher cette carte-là. Vas-y, on va piocher. Hein. On va piocher hein, parce qu'on est salement briqué quand même. On va se prendre une hache, c'est sûr. Non, même pas. On va aller mettre 1006. Hein. Et là, normalement, le mec, il voit mes... Il voit mes cartes, il est là en mode « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi ?» Il faut financer la réparation de Makuba. Ah ouais ? Je viens d'apprendre que Yu-Gi-Oh! En fait, est le jeu de cartes le plus vendu devant Pokémon depuis 2009 à aujourd'hui. Pokémon a dépassé que une année Yu-Gi-Oh! En 2021, avec la hype. Mais sinon, c'est Yu-Gi-Oh! Avec plus de 30 milliards de cartes vendues contre 20 milliards de Pokémon. Je trouve ça incroyable. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ta source aussi? C'est vrai ce que tu dis? Oh, c'est le moment où je me fais péter là, par contre. Merci pour le sub Asmore qui finance la Hyper Zulu Production et qui finance surtout ce giga opening qui m'a coûté un PEL, les amis!
Oh, ça peut très très mal se passer pour nous là. C'est quoi un PEL? C'est un plan d'épargne logement. C'est-à-dire plutôt qu'acheter une maison, je préfère acheter des cartes. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. En vrai, ça m'étonne parce que bon. On parle quand même de Pokémon qui est quand même une sacrée licence, quoi. C'est combien un display rareté 25 ans? C'est 160 euros. Ok, c'est bien. Ah, mais non, c'est pas un cash. Hein? Oh! Le mec, il joue un kebab! Bon, il m'a fait crasher mon max, hein, quand même. Bientôt, elle sera à 300, tu crois? En vrai, il y a eu pas mal, quand même, de... Il y a eu pas mal de boutiques qui sont déjà à sec, hein. C'est quoi le deck en face? Bon, c'est pas grand chose. Hein. Surtout qu'on va faire ça. On va faire ça. On va lui faire la spéciale, les amis. On va lui faire la spéciale. Oh, obélisque. Vous voyez pourquoi j'ai le seum d'avoir lâché ma carte magie, mais c'est pas grave. Allez, faisons la spéciale. Sinon, je peux invoquer Obélisque. Mais... Parce que je peux soit invoquer Artemis, effet du clown, sacrifier mes trois monstres, invoquer normalement Obélisque comme un giga chad, ou soit faire juste le play optique qui est Ange du Chaos. Envoie ça, envoie ça. Après, est-ce que t'as envie de... Qu'est-ce que t'as envie de gérer, en vrai? C'est ça, la question. Merci, Tofu Nunu, pour ton 22e mois! Merci à toi d'aider la Hyper Zulu Prod. Obélisque ou pas obélisque? Invoque la synchro. Non, non, on va invoquer la synchro. T'as raison, mon ami! Ah oh là là, mon deck ne contient aucune carte pathétique. Oh, je peux pas l'envoyer au Sincher, son monstre. Il a pas été invoqué spécialement. Oh, j'ai le seum. A votre avis, qu'est-ce que je gère? Naissance? C'est dur, hein. C'est dur à dire ce que je suis censé gérer, là. Une des deux pendules, tu crois? Moi, je gère naissance, je préfère. Après, en vrai, j'aurais dû gérer une pendule. Parce qu'en fait, je vais gérer son monstre, il pourra déjà le réinvoquer, en fait. Merci, Wonder Drive, qui vient de lancer le train de la hype dorée en approche! Première fois que j'ai le train de la hype dorée sur ma chaîne, les gars! Vous disposez d'un temps limité pour obtenir un émoticône exclusif de Kappa doré. Première fois que j'ai ça, c'est hyper hyper rare sur Twitch. Et bah, c'est le moment de lâcher vos primes et vos subs, hein, les amis. Si vous voulez choper l'émote Kappa doré. Waouh! Merci Vlaise! Mon bon roi qui lâche 5 subgifts, merci beaucoup! Merci Xkadage qui lâche un prime. Merci beaucoup, merci Blowmer qui lâche un prime, merci Tromecdo, c'est ça, pour ton prime. Merci Blizia pour le prime. Mais vous avez tous des primes ou quoi? Merci à vous, merci Monsieur Broker pour le prime. Merci Max TCG pour les 10 subgifts. Merci Orinar pour le sub niveau 1, merci Alchetom pour le prime. Merci à vous, merci de soutenir la Hyper Zulu Prod, merci Fuji,
Wara pour le Prime. Eh ben, merci à vous. Merci Dark Dilou pour le sub. Merci à vous, vous régalez. Merci Rada qui vient de lâcher un sub gift. Merci à toi, mon poteau. Merci Ilam pour le sub niveau 1. Merci à vous, vous régalez. Hey, comme quoi, il y a plein de personnes qui ont leur Prime, qui regardent, et ils attendent le capa doré pour donner. C'est gentil quand même, merci à vous. Merci Ronivec qui lâche 5 sub gifts. Merci beaucoup. Pendant que je vais me faire saucer. Je vais me faire saucer comme jamais. Merci QC, le bon prince, qui en plus d'acheter une nouvelle display, a lâché un sub. Merci beaucoup. Merci vraiment QC. Merci Vlaise pour ton sub niveau 1. On est niveau 7, hein, les gars. On est train live niveau 7. Je sais pas si j'ai déjà fait ça. Merci beaucoup. Oh, on se prend une baronne. Une baronne qui va se prendre une... une coucougnette de rat. Ah, c'est moi qui dois la payer. Merde. Ah, merde. Alors, est-ce qu'on va réussir à tenir ce tour? Mais en vrai, il peut pas passer mon ange du chaos. Je viens de me sub, puis la chaîne de sub qui a suivi Insane. Ah bah, on est d'accord. On est d'accord. Qui a lancé le train live doré? Et les gars, il faut atteindre... Il faut atteindre le record. C'est quoi le... Est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir le record de la chaîne en termes de train de la hype? Merci Blazor. Mais là, je pense qu'on peut, on peut battre le record ad vitam. Non! Non! Merci Rain Ordo pour le sub. Il a essayé de détruire ma baronne. Il a essayé de détruire mon ange du chaos avec sa baronne. Mais je suis juste trop fort pour toi, mon ami. Niveau 7 terminé, les gars. Merci The Reinhardt pour le Prime. Le niveau 7 est passé. Est-ce qu'on peut aller... On vient d'entamer le niveau 8. Est-ce qu'on peut aller niveau 10, niveau 11? Hein? Il est indestructible? Oh, c'est un monstre lumière! Attends, c'est quoi? Les monstres synchro que vous contrôlez... Les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Je suis juste invincible! Merci Lucidor pour ton sub. Merci beaucoup. Merci Mtrex pour ton sub également. Juste le boss, merci à toi. Oh, c'est parfait! Oh! Ok! Je remonte mes manches, mes amis. Je remonte mes manches. Ah, moins qu'il negate avec sa baronne. Oh, ce serait dramatique. Oh, ce serait dramatique. On va peut-être vivre un grand moment. Je rappelle qu'il a toujours ma sphère de rat et il a plus que deux monstres de toute façon. Donc ça m'intéresse beaucoup moins. Allez, on va jouer Artemis. Ah, il faut pas qu'il annule l'effet de mon clown. Merci Psychose pour ton sub. La hype, et oui, la hype. On est niveau 8, les amis. Ah, il va annuler, il va pas lire, il va annuler. On est en gold. Il lit pas, il annule. Ah, il lit pas, il annule. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, il sait pas qu'il fait le move de sa vie en faisant ça. Ah, s'il annule, il fait le move de sa vie. Battle Baron avant. Oh, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Oh non, je prends 1000 de dégâts. Mais ça me permet d'invoquer le gardien slime. Ah, là, il va peut-être annuler, par contre. Ah oui, ah oui, eh oui, normal. C'est pas grave. Tu viens de tomber dans mon piège, Kane. Tu viens de... Car, grâce à l'effet du gardien slime, je vais donc pouvoir aller ajouter une carte de mon deck à ma main. Et je vais ajouter Révélation Millénaire. Révélation Millénaire qui va me permettre, tout simplement, d'aller envoyer Obelisco Shokan depuis ma main pour ajouter un Monster Reborn. Et à ton avis, qu'est-ce que je vais pouvoir invoquer avec ce Monster Reborn? Oh, regardons dans le cimetière, je crois qu'il y a un obélisque le tourmenteur. Il y a bien sûr des moves bien plus... Wouh! Bien plus... bien plus opti. Merci Foraygon pour tes 5 subgifts, merci beaucoup. On est bientôt à la fin du niveau 8. Mais je vais surtout invoquer un monstre, cette fois-ci, de niveau 10. Oh, 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 oh. Le grand, le tout puissant.
puissant. Oh, attendez. Les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Ah merde. Ah il va quand même être détruit. Ah le... Ce que le play opti, c'est de d'invoquer le bestial et ensuite de faire un lien 3. Ouais, lien 3, c'est bof quand même. Je réfléchis. Ah non, c'est bon. J'ai le play en tête. Oh, regardez. Waouh. Y'a Vlaise qui vient de lâcher 20 subgifts. Et regardez, ma puissance n'a pas de limite. Oh, j'ai ça dans le cimetière. Ah ouais, mais non, nul. Non, très très nul. On va pas activer cet effet-là. Non, c'est très nul. Merci Vlaise. Merci Florian pour ton sub. Pour 6 mois d'avance, merci Grand Prince. Merci Mark Kenway pour ton sub. Parce que attendez, on a ça dans le cimetière. Si j'active l'effet machin d'obélisque, je peux bannir cette carte dans le cimetière et bannissez tous les monstres dans le cimetière de votre adversaire, infligez-le à son point de dommage machin. Ouais mais je peux battle qu'avec lui. Vous pouvez sacrifier deux monstres, détruire tous les monstres contrôlés par cette carte, ne peut pas déclarer d'attaque le tour. Ouais c'est pas grave, on va juste libérer. On va unleash les dieux. Avec d'abord cette attaque d'obélisque, le tourmenteur qui va se saisir de cette baronne de fleurs et l'écraser dans le creux de sa main. Ensuite. Hein? Merci un tas de cartes pour le prime. Merci à vous. On est niveau 10. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au niveau 11 et... D'où il réinvoque Baron, lui. Hop là! Elle repart là où elle doit être, mon ami. Ha. Et là, là, il y a un move incroyable à faire. Ha, j'aurais peut-être dû le faire avant aussi. Parce que là, je peux faire le petit canon. Le petit canon. Waouh! Merci, Forigeon, pour les 20 subgifts! Merci! Merci, on a passé le niveau 10, c'est historique, on l'a jamais passé de toute l'histoire, de toute la chaîne. Oh, je crois que je fais access code, parce que je peux faire ça détaché, mais il va lui rester 1900. Oh, cette game est incroyable. Moi, je dis, il arrive pas à passer en jus KO. Donc, je pense que je dois juste perdre mon obélisque le tourmenteur. Parce que je pourrais faire access code et détruire les deux cartes ici. Les gars, on l'a jamais fait, hein, level 11, on l'a jamais fait. C'est parce que là, s'il a une... Ah, il peut tout réinvoquer, il peut... Oh, moi, je pense qu'il peut pas passer cet ange du chaos. Est-ce que je dois faire access code maintenant? Il me reste 80 secondes pour décider. Le train de la hype pour la Ash Blossom Quarter Century, c'est vrai. Faut garder ange, ouais, on garde ange. Tant pis, je vais perdre Obélisque le Tourmenteur. Tant pis. Oh, ok. Par contre, je viens de voir un truc. Si il invoque tous ses monstres pendules et qu'il battle ma Artemis, je peux juste perdre, en fait. Donc, je suis obligé... Soit je fais Access Code, mais je vais me faire baiser si je fais Access Code. Je vais me faire Ken si je fais Access Code. Soit je fais le chevalier du cauchemar. Vas-y, je fais chevalier. Merci Elliot BMT pour ta participation au train de l'hype niveau 12 potentiellement. Une display SP plus Wanted plus Typhon. C'est ce qu'on souhaite. Détruis son pendule. Non, mais je reste là. On fait pas Access Code, rien là. On est une phase. Historique, hein. Jamais fait niveau 11 sur la chaîne, les gens. Jamais. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à donner, à participer. Même un petit prime. Même un sub gift. Oh, je récupère la sphère. Oh, il récupère son monstre. Parce que là, l'effet de mon ange du chaos peut se retourner contre moi à tout moment. Merci Ilan23i pour ton sub gift. Merci beaucoup. Ton record, c'est le 15, Zoulou. Ah ouais, comment tu sais? C'est indiqué quelque part? Oh, ok, my bad. Record historique de la chaîne. 40% du niveau 15.
le record historique de la chaîne. My bad, excusez-moi. Il rebanne ma sphère de rat. Est-ce qu'on peut dépasser? Ah, ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué, surtout qu'il reste moins de 2 minutes. Et il nous reste 41% à faire. Mais vous avez déjà beaucoup donné, merci à vous. Putain, cette game, elle est tendue. Ok, il n'arrive pas à tout réinvoquer en pendule. Oh, cache-tira Théosis. Oh, Théos plutôt. Oh, il y a peut-être moyen qu'on se fasse gérer ici. Oui, mais c'était pas le train de l'hype doré. C'est vrai. Là, en participant au train de l'hype, vous récupérez une émote Kappa doré. Exclusive. Oh, le Fenrir. Cette game, on va pas la gagner. Je la sens pas, là. Moi, je suis à sec. Et lui, il commence ses plaies Kashtira. Je suis dans la sauce, les amis. Je suis dans la sauce. Merci Wonderdrive qui relâche un subgift. Merci à toi, il reste 50 secondes, les amis. 50 secondes pour passer au niveau 12. En fait, qui m'envoie au cimetière. Ah non, il va la ban. Il ban ou il envoie au cimetière. Vous pouvez les voir les chiens. Bannissez face verso. Oh non. Merci Arc Anime. Anine, pour ton niveau 1, 25 secondes. Waouh, merci XKDage pour tes 5 subs. Merci beaucoup, on est à 92%. Il reste 17 secondes. Il reste 15 secondes. Il reste 8%. 10 secondes. Non. 7 secondes. Ouais, Blaze. Oh, les boss. Merci, Blaze. Pour tes 5 subgifts, merci Brother. Jinx pour ton prime, merci Fab Solu pour ton tier 1, merci à vous. Merci à vous, on a passé le niveau 12. Enfin, on a terminé le niveau 11, pardon. Merci à Florian pour le son subgift. Merci à Wonderdrive également pour ta participation. Avec ton subgift également. Merci beaucoup. Mais on est déjà à 30% les gars. Vous êtes sur le point de battre votre précédent record, continuez. Ah bah, c'est ce que me dit Twitch. Je lis ce qui a marqué, mais vous le voyez aussi sûrement. Vous le voyez aussi, le bandeau violet. Merci, merci Master Boom pour ton sub. Merci beaucoup et bienvenue dans la Hyper Zulu Collection. Ah, mais c'est ça qu'il me fallait tout à l'heure. Mais moi, je pense vraiment qu'il peut pas me gérer. Moi, je pense vraiment qu'il peut pas me gérer, le man. Oh non, il va bannir la carte de ma main. Elle, c'est pas elle qui annule les effets, hein, qui fait impermanence. C'est quoi la priorité à gérer, là, selon vous? C'est quoi la priorité? Aïe, 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 aïe. Putain, mais vous avez été ultra chaud. Le niveau 15. C'était quand? Y a pas la date. C'était peut-être pendant la... C'était soit le lancement en indépendant. Ah, soit le tapis. Ou je sais pas quand c'était le niveau 15. Peut-être la barbecue camp. Bon, on est dans la sauce. On est dans l'adversité. Est-ce qu'on veut essayer de faire des dégâts? Merci Jorlor pour ton sub niveau 1 pour tes deux premiers mois, merci. Qu'est-ce que je dois gérer? Lui, il est infecté par les... sont pas affectés par les effets de monstres activés. Parce que s'il a le terrain, il faut que je baisse ça, non? Mais en même temps, j'ai envie d'aller faire des dégâts, moi. J'ai envie d'aller faire des dégâts. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas quoi faire, je suis tendu. Si seulement j'avais un headlish au cimetière, j'aurais pu faire des trucs. Détruis celui-là, tu crois? On essaie de faire des dégâts, c'est ça? 1000 après 1000. C'est parce que s'il a le terrain, je suis mort. Hein. Ah oui, si je tape, il peut détacher et protéger. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, c'était le meilleur choix. Allez, les amis, déjà, on est dans le 12e niveau du train live. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Tain, on a eu le train de la hype doré. C'est abusé, je l'avais jamais eu. Je pense en 10 ans de Twitch, je l'ai eu qu'une fois.
C'est abusé, quoi. Prie pour ne pas que le Griffrayer arrive. Oh putain, mais... cette coucougnette de rat. Cette coucougnette de rat, les gars, qui arrête pas de faire des allers-retours. C'est dramatique. C'est dramatique. Pourquoi je peux pas mettre le stream en 4K alors que j'ai un écran 4K? C'est une restriction Twitch. Ça devient quoi ton tapis connecté? I can't talk about this. Non, je peux pas en parler, les gars. Je peux plus l'utiliser, malheureusement. Vous le savez, vous le savez. Merci Florian, qui relance un petit peu l'espoir de passer ce niveau 12. Merci pour ton subguide, Florian. Oh, le Raigeki! Oh, le Raigeki, les amis! C'est fini! C'est fini! Non! Merci, Wonder Drive, pour ton sub. Ah non! Ah, on s'est battu, les gars, on s'est battu quand même. On s'est archi battu. Est-ce qu'il va faire une erreur? Mais là, il n'y a plus d'erreur à faire. Là, il n'y a plus d'erreur à faire. Très beau duel, merci! Merci, vous m'avez largement récompensé, les amis. Merci beaucoup. Il t'a bien fini avec Raigeki. Bah, c'est le top deck, hein. Le top deck de Raigeki. On a le sum. Fin de la hype également, fin du duel. Bah ouais, c'était lié! C'était lié, mais merci à vous. Vous avez géré le chat. Vous avez géré. Malheureusement, on va pas gagner ce duel. Mais j'aurais gagné votre cœur, les amis. Merci à tous. Vous pouvez tous vous féliciter dans le chat pour ce train de la hype niveau 11++. Bravo à tous ceux qui ont récupéré les modes Kappa Doré, qui est une mode super rare sur Twitch. Donc, non, train live niveau 12 à 45%. Merci, vous pouvez mettre des cœurs, des chouchous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des capas dorés. Mettez tous des capas dorés, là, un peu. Là. Tous ceux qui l'ont récupéré. Mettez des capas dorés, chouchous. Merci à vous. Ouais, c'est que pendant 24 heures. J'avoue que c'est des rats que pendant 24 heures. Mais c'est pour ça qu'elle est... Ça, il faut en profiter. spammer. Profitez, après elle disparaît, d'accord. J'avoue que c'est des tarbas, ils auraient pu la laisser, vu que c'est un truc vraiment... Merci beaucoup. Est-ce qu'on a de quoi se payer ces boosters, là? Ok, pas encore. Mais merci. Moi aussi, je vais faire Kappa Doré. C'est quoi, c'est... Elle est où, mon émote? Là. Voilà. Ok, on relance. Il est magnifique, ce... C'est peut-être pas le deck le plus puissant, mais c'est le deck qui fait le plus de spectacles. J'ai quand même... J'étais pas loin de faire le X6-10 canon avec Anju KO et Obélix le Tourmenteur, quoi. Mais c'était pas le bon move. C'était pas le bon move, je pense. Merci le chat, vous avez régalé. Il y a eu des gros dons de subgift. Merci beaucoup. Il y a Vlaze, Forejon, Max TCG qui ont régalé. Un grand merci à tous. Alors, jouons peu mais jouons bien. On a la double floodgate en main. On va juste set ça, et on va juste fin de tour. J'ai une question, vas-y. Twitch code hype. Je la connaissais pas, cette émote. Le canon avec du matos très très lourd, ouais, j'avoue. Oula. Ouh, c'est perdu, les amis. Ok, si je dois avoir qu'un seul bon, ce sera Obélix le Tourmenteur, les gars. Vous avez compris?
Vous avez compris. En vrai, il faut qu'il me battle, il faut qu'il me proc mon gardien slime là. Oh, le Kaiser Colosseum. Oh, Edlich. C'est quoi ce deck de zinzin? C'est un deck qui me veut du mal. Ah! Non, il veut pas battle. Ah bah non, il peut pas, je suis bête. Je suis bête. Oh non. Il me faut un clown. Ah mais même clown, ça marche pas. Obelisco, Shokan. Oh, ça va être dur ce match. Hein. Ça va être très très dur, les gars. J'arrive. Ok. Bon, il va falloir être bon, le chat, hein. Il va falloir être bon. Bah là, on peut rien faire à part ça. Le mannequin, il s'est pris un coup de fille. Ouais, quand même. Salut, Zaï. Ah, vous aviez pas vu la petite peluche? J'attendais ton stream à 14h, Zoulou. Bah, j'ai lancé à 14h, non? Oh, je peux faire ça. Ah, mais je pourrais pas battle avec! Je pourrais pas battle avec. Il a pas encore fontaine, hein. Non! Mon obélisco. Shokan. Merci Alchaos pour le prime. Ça continue de régaler. Oh non, Fenrir aurait été parfait. Fenrir aurait été parfait. Putain, mais je vais vraiment me faire avoir là-dessus, là. Sur ce inspecteur border qu'on a lu tout à l'heure en anglais, pour ceux qui étaient là. Il a juste fin de tour. Elle est bien, cette draw, elle est super, mais pas quand il y a ça sur le tearing. C'est vrai que bientôt les 500 subs, bien vu QC. Ah, mais j'ai une strat. Est-ce que je peux faire super poly, Garoua? Non. Très nul cette norme en fait. Oh putain, ça a pas fait proc le gardien slime vu qu'au moment où je prends les dégâts, mon monstre est encore sur le terrain. Oh, le seum est terrible. Oh, le seum est terrible. Vas-y, on va pas mourir, hein. Putain, j'ai tellement hâte d'ouvrir ma display. Oh, bah
bah voilà, un deck Morganite, on en parlait. Le deck Morganite. Pourquoi je peux pas spé? Pourquoi je peux pas spé, Guardian Slime? Effet de border. Ah, ok. Oh. Oh. Réfléchissons. Ah ouais, mais border en fait, il me pèse. Porter, il me fait l'amour en fait. Border, il me fait l'amour en fait. Animation border. Non. Mais je pouvais pas en fait. Méchant Noupi! Oh putain. Et le pire, c'est qu'il se passe rien là, je suis vraiment nul. Ah, je suis de nullité là. Je suis d'une nullité. Ah oui, en fait, il faut des monstres. Rituel, fusion, synchro, X6 pendule ou lien. Ok, pour activer des effets par tour, ok de moi. Ok, ok, je l'ai lu tout à l'heure en plus. Je me suis demandé si ça allait marcher avec le gardien slime, mais non. Mais non. Bon, j'ai complètement chié ma... Oh. Oh. Oh, ça y est, il craque. Bon, il craque, mais il a fontaine, quoi. Et attends, moi, je peux pas super poli, là? Tu vas me dire que j'ai aucune target à Super Poly? Pourquoi je peux pas Super Poly là? J'ai aucune target. J'ai aucune target. Ah, y'a zéro target en fait. Tu joues pas Mu Dragon. Si. Pourquoi je peux pas là? Attends, c'est trop bizarre là le chat. Quelle est cette sorcellerie? Si tu peux pas, c'est qu'il y a une raison, bah ouais. Peut-être Coliseum. Mais non, il a deux monstres. Je peux invoquer un monstre. C'est abusé. Et là, il a bloqué. Il a bloqué le anima en plus. Il a bloqué le anima. Ah, je pourrais pas battre à cause de ça. Mais attends, s'il y a une fusion, ça veut dire que je peux faire... Ou c'est les bons de votre adversaire? Non, c'est bon. Il vient de me débloquer. Il vient de me débloquer.
Alors, ça c'est sûr. Est-ce qu'on envoie ça? Ça permet d'aller tuto Obélisque le tourmenteur. Ou, si j'ai deux monstres en plus d'Obélisque, d'aller infliger 4000. Parce qu'Obélisque, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à le spé, mais... Non, non, mais pour Coliseum, il faut qu'il ait un monstre. Sinon, ça marche pas. J'ai déjà activé un effet par ce tour. Vas-y, bah les couilles, on va le garder. Très très drôle ce qui se passe là. Merci du luxe pour le prime. C'est peut-être un ruling OCG bizarre, c'est sûrement ça, mais... Merci Meliodas pour ton 14e mois. Bon, de toute façon, dès l'instant il commence à avoir fontaine, ça commence à être compliqué pour nous. C'est là, au tour 11, il a plus trop pioché, quoi. Surtout qu'il pioche deux par tour en plus. J'avoue que on n'a rien à faire dans ce game. Mais j'ai envie de tenter l'exploit quand même. Parce que Obélisque, il est inciblable. Avec un petit courant concentré là. Avec un petit courant concentré. Je me dis que j'ai envie d'y croire. Ah, oh, Solem, oh, c'est mort. C'est ouf que je puisse pas super poli quand même. C'est ouf. Est-ce que là je vais chercher de quoi aller chercher Monster Reborn? Ah, moi j'ai envie d'y croire. Le chat, j'ai envie d'y croire. Un obélisque à 8000. J'ai un obélisque à 8000. J'ai un obélisque à 8000. Pour moi, c'est Kaiser. Vu qu'il contrôle des monstres et que tu cherches à lui enlever, tu passerais virtuellement au-dessus de son ombre au moment où il contrôle. Ouais, c'est... Non, mais c'est sûr, c'est ça, mais... Oh, s'il fait TTT... TTT, regarde ma main. Ah, c'est finito. Il va enlever Obélisque. Il enlève quoi? Gardien Slime? Obélisque. Ah non! Oh, il remet dans le deck en plus, j'avais oublié! Non! C'était mon accès à Monster Reborn. Pour faire un putain de giga chat d'Obélisque à 8000. Ah mais c'est finito là, c'est... It's finito, voilà. Le deuxième obélisque qui est là, j'en ai que deux je crois des obélisques dans le deck. J'en ai peut-être trois. Un. Ici. Ok, putain les Eldritch de ban. Ah, alors comment dire? Alors comment dire que là... Faut croire en lame des cartes. Bah j'ai Céclade, hein, mais... J'essaie, mais c'est dur, quoi. Ah, le dernier obélisque. Putain, c'est ouf, ce ruling. Avec Super Poli et ses deux monstres. Est-ce que j'ai encore un plumeau dans le deck?
Oh, les gars, j'ai encore plus de mots dans le deck. Ah, mais il va me les ban. Là, il va me ban les 6 dernières, là. Là, il me ban les 6 dernières, c'est ça? Imaginez la dernière carte, ces plumeaux, là. Je sais pas comment tu fais pour avoir la patience de ne pas FF. Bah, j'y crois encore, moi. Ouais, là, ça commence à être compliqué. Ah oui, mais en plus, il a jugement, je suis con. Regarde ce flexeur, là. Regarde ce flexeur. Ah non, il... Oh, le Flexoman. On a retrouvé Flexoman. Une carte, c'est le plumeau, les gars. Il me reste une carte dans le deck, c'est le plus beau. Il me reste une carte dans le deck, c'est le plus beau. Mais je peux rien faire derrière, j'ai trop le sub. Ah bah non, hein? Hein? Mais il est où le plumeau? Il est où le plumeau? Ah bah j'ai pas de plumeau. Il est dans le side. Bon, allons voir le deck interdit quand même. Allons voir le deck interdit. C'est-à-dire qu'il y a des decks qui tournent avec vraiment Morganite, quoi. Après, qui tourne... Il a juste chaté d'avoir Border into Kaiser Colosseum, quoi. Putain, le deck a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a la moitié du deck, c'est des cartes limitées. On dirait un deck Tirlement. Oh, c'est un sacré défi. Faire un deck avec uniquement des cartes limitées. Oh, le défi de ouf! Oh! C'est gaulerie de ouf, non? J'ai le droit à uniquement des cartes limitées. Non, mais pas maintenant! Pas maintenant, mais pour un prochain jour! Oh, c'est un giga défi! Ça, c'est encore un truc à devoir craft un milliard de cartes tir que j'ai pas, par exemple. En vrai, le défi est pas mal. Mais je rappelle, on est toujours en train de gratter des gemmes. On est toujours en train de gratter des gemmes. Solo pour avoir les 200 gemmes. Non, moi, j'offre du divertissement. Umi Morganite. Bah, on fera ça après. On fait le deck... Celt Morganique. Runic Morganite. Umi Morganite. Oh la main. Oh la main. Ah, moi j'ai dit je fais du divertissement, les amis. Oh, c'est gentil ça. Yes. Ah, oh, bah super. Mais du coup, ça me sert à rien du coup. Oh le double, non, le double obélisque, pardon. Le double obélisque, le tourmenteur. C'est qu'un effet par tour, ça? Ouais. Le triple obélisque, le tourmenteur. Attendez, je réfléchis deux secondes. Je fais révélation millénaire, obélisque, monster reborn, obélisque, battle, obélisque tap.
Shen, le dieu machin, tape. Ça, ça va que chercher depuis le deck. Depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ok, let's go. Ok. Attends. Un mec qui joue Coupe des As, il jouerait pas Labyrinthe quand même. Le mec, il va pas jouer Labyrinthe. Oh, attends, je peux l'invoquer normalement, Obélis, si je fais ça. Oh non ! Mais non ! Ok, c'est un Sword Soul. Donc c'est-à-dire que normalement... Putain, il va pas kiffer le Sword Soul, je vous le dis. Putain, vraiment, j'ai que de l'engine de Dieu dans la main. J'ai littéralement que ça. Là, il faut pas se prendre une hache, par contre. Sinon, j'ai plus le létal. Putain, 3 obélisques dans la main. On est d'accord, le mieux, c'est d'invoquer normalement obélisque. Obélisque, il peut pas se faire cibler, on est d'accord. On peut cibler cette carte avec des effets. Donc techniquement, c'est plus safe. En fait, ça dépend. C'est vraiment un choix. Slimy. Après, il y a eu Coupe des As, c'est vrai. Ah, je vais peut-être le regretter. Vas-y, on y va. J'ai trop peur qu'il se passe une dinguerie en passant par le gardien slime, en fait. Et c'est là où il fait... Oh non ! Eh oui, mon ami ! Je peux en invoquer un autre depuis ma main. Merci. Bon après, il a vraiment fait une coupe des As, le mec, quand même. Hein. Il a vraiment fait une coupe des As. On a quand même commencé en main avec 3 obélisques. Hein. Pas si simple. Hein. Bon, vous êtes divertis. Le chat, vous êtes divertis, on est d'accord. Il a rien dû comprendre. Wouah, qu'est-ce que c'est que cette merde. Le mec, il joue décret royal dans un deck où il joue 20 cartes pièges. Tu m'étonnes qu'il brique, le man. Oh. Ah, c'est un pote à moi. Deux gamins, un driver. Bah, il est obligé. Il est obligé. Ah, quand on va build un deck avec que des cartes limitées. Ouh, les refs. Ok, on joue deuxième. Moi, je joue fossile ou parchat. Ah ouais, Parchat. Carte que j'adore, mais respect quand même. Ok, on joue contre un cache. Trois drivers, un gamin. Ah ouais. Ah ouais, t'es sûr?
Bon, à savoir que Naissance Kashtira baise en partie mon deck, hein. Un deck avec que des cartes limitées ou semi-limitées, c'est possible. Oh, c'est quoi cette merde? Ne peut pas bannir de cartes. Ouais, ça va. Ça va! Bon, c'est chiant quand tu joues Fenrir, mais... Tu vas jouer le deck Burger dans le pack de novembre. Oh, mais j'ai déjà joué Burger sans ça, moi. J'ai déjà joué Burger sans ça, tout va bien. Je peux pas bannir de cartes. Il se fait Fenrir là. Très très chiant ce Fenrir. Ouais, bof en fait. C'est l'heure de jouer la coucougnette de... Hop là, simple ce jeu. Hop là. Mon plan se déroule sans accroc. Sacré coucougnette. D'accord. Comment clean un board? C'est une première leçon, les amis. C'est une première leçon. Bon, après, ça fait pas tout non plus. Hein. Est-ce que j'overextend? Parce qu'avec ça, il pourra certainement... Bon, déjà, dans tous les cas, on fait ça. Hein. Ça, c'est une certitude. Ban Burst. Ah, mais en plus... Ok, parfait. En fait, je peux pas battle, donc je suis obligé de faire illusion. Ah oui, mais oui, lui, il est vraiment... Ouais, j'avoue, il m'a tout donné, en fait. Il m'a juste tout donné. Ça cible, hein. Ouais, ça je peux pas cibler. Ça je peux. En fait, je peux pas tuer ce tour. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, j'aimerais bien activer ça une fois quand même. Faire 4000 de dégâts avec Obélis le tourmenteur là. J'aimerais bien, j'avoue. J'avoue. Je regarde. Ah, je peux faire Eurize des barres. Je peux faire Eurize parce qu'il y a Shangri-La qui a activé son effet. Bah, vas-y, hein. Peut Anima son Griffrayer. C'est vrai. Je peux Anima son Griffrayer. Faut que je fasse Eurize maintenant. Anima. Comme ça, je récupère un. Ah, c'est chaud quand même. Oh, je sais. Ok, je sais. Ok, on tente, c'est la première fois. On va le mettre en def.
Après, le mettre en dev, c'est lui donner des Zeus. Ce qui est pas fou, quand même. Ce qui est pas foufou. Ok. Qu'est-ce qu'on récupère ? Qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère Fenrir dans les bannis. Ok. Ensuite, banne ça. Récupère obélisque. Effet de rise. 3 matos. Et on récupère ça, comme ça elle va retourner au Steam. Ok, on reste là-dessus. On reste là-dessus. Il a 0 en main. C'est chaud de faire un Zeus. C'est vrai. Putain, j'ai fait le ménage quand même. Il va forfait. Oh, oh! Bah maintenant, il a 2. C'est possible de Zeus. Alors... je vais récupérer ça. Oh! Non, mais il abandonne. Il... ah, j'avoue, une TTT, il peut remonter. En plus, Sphère, j'avoue que... Sphère, ça le baisse tellement, j'avoue. Des barres. Hop là. J'aurais dû ban ça tout de suite. J'aurais dû ban ça. En vrai de vrai, parce qu'on a, on est d'accord, les matériaux que je détache là, ils sont bannis, hein. Ils sont bannis. J'ai regretté de pas avoir fait en une phase, j'aurais dû. Hein. C'était le play. C'était effectivement le play, dommage. Je vais me prendre un effet Fenrir. Ok, j'ai récupéré de nouveau ça. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ah merde. J'avais pas pensé à ça. C'est pas grave. C'est bon, ça gagne. Les maths sont bons. Défaussez une carte de votre main. Oh mais regardez, regardez ce boss des boss.
Activer effet machin. Par contre, je peux me prendre un Nibiru encore. Hein. Je peux me prendre un Nibiru. Mais vu que je suis un âne et que j'aime bien overextend. Oh, mais vous allez voir, les amis! Ce deck n'a pas de limite! Vous connaissez l'overextend? Est-ce que vous connaissez l'overextend? Oh, c'est beau. Et en vrai, la combo que je vous sors là, vide ma mère, c'est des années d'expérience de Yu-Gi-Oh. Vide ma mère là. Mec, tu peux rien faire contre moi, gros. Je suis juste invincible. On est d'accord. En vrai, on est d'accord que jouer avec des cartes obélisque le tourmenteur, gros. Et là, vous pensez avoir tout vu. Vous pensez avoir tout vu, les gars. Trop drôle, regardez. Je peux faire ça. Non. Je pouvais invoquer obélisque pendant la battle. Je pouvais attaquer avec mon slim, faire effet de la piège dans le cimetière, récupérer obélisque de mon deck ou de mon cimetière à ma main, sacrifier la slim. Et invoquer obélisque. Après, en main phase 2, je pouvais faire canon, détache, inflige 2000. Est-ce que vous êtes divertis? Êtes-vous divertis? Salut Zoul, à quand une Challenger Cup? J'ai besoin de rejouer mon deck infirmière et ficule. Bientôt, soon. Soon, je discute avec Konami de... Oh, je peux peut-être rien dire. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais, vous marchez à chaque fois. Franchement, on sauvegarde ce duel parce que c'était beau. Franchement, c'était beau. Moi, je sais pas vous, mais ce deck... Pff, oh là là. Ça, c'est du spectacle. Et encore, on n'a pas... Encore, on n'a pas les... La magie niveau 10. Est-ce que je peux avoir mes gemmes? Putain, mais j'ai rien en mission. Le robinet est sec, les gars. Activer de carte piège. Il n'y a plus de mission quotidienne, là. Ah non! De toute façon, on va bientôt arriver à 17h. Bon, on continue. Hein. On continue. Pourrait-on faire un deck Dragon ni Reine avec ton deck jeu égyptien? Ah, mais pas des Dragon ni Reine dans mes jeux égyptiens, gros. Je vais me vénère. Tu as pas essayé le deck Exodia de Jeff? Non, m'intéresse pas vraiment. C'est juste un deck combo en fait, avec one card combo avec des cartes pendules. Vraiment. Pas grand chance que ça m'intéresse. Hein. Vraiment bof. Enfin, et dire que tout à l'heure, et dire qu'on va se faire une giga opening. On va se faire une giga opening, les gars. Vous allez rien comprendre. Qui est juste là pour l'opening? Non, répondez pas oui. Non. Mais je sais qu'il y a des gens qui attendent cet opening, les gars, regardez! Oh! Pardon. Regardez cet opening, les gars! Pff, avec la production. Avec toutes les.
les technologies de la Hyper Zulu Production. Regardez ça, les gars, ça bouge. Ça bouge, c'est le mec. Regardez ça, les gars. Oh là 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 là. Pa pa pa. Ça, tout ça là, ça c'est grâce à votre soutien. Votre soutien sans faille. Qu'on arrive à repousser les limites de la production. Regardez ce zoom. Le mec, vraiment. Ça zoom, les gars, ça zoom. Plus la merde. Je me suis abonné que pour ça. Ben voilà, voilà, les gars. Zulu, t'avais pu faire l'ouverture en avant-première via Konami? Non, pas sur les... pas sur les Rarity Collection, parce que je suis puni. Et d'ailleurs, ma vidéo à Gov avant-première, j'ai pas pu la diffuser. Enfin, vous l'avez peut-être vu, mais elle a, j'ai dû la supprimer. Donc, c'est pour ça que je rouvre 3 à Gov, parce que j'ai envie d'avoir une vidéo sur ma chaîne YouTube avec de la Gov. Et parce que je cherche des putains de cartes dedans. Je cherche des putains de cartes dedans. Des boosters rarity en carton, c'est normal? En vrai, possible. Hein. Pourquoi t'es puni? Parce que j'ai sorti une vidéo un jour avant, qui était sous NDA, donc c'est normal que je sois puni. Donc pendant 4 avant-premières, je peux pas faire. Il y en a déjà 2 qui sont passés. Voilà. Voilà pour répondre à vos questions. Oh, il va tellement se prendre une couille de rat, les gars! La coucougnette, la coucougnette, la coucougnette. Oh là là, la coucougnette, les gars. Pensez qu'il va quitter ou pas? Est-ce que tu as refait des duels sur le plateau 3D? Non, je peux plus l'utiliser. Ok, c'est l'heure de la coucou. C'est l'heure de la coucou. Coucou, 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 niet, niet. Pardon, excusez-moi. Je vais reprendre un peu de mon sérieux. Je me laisse aller à des moments assez cringe sur ce live. De par mon euphorie de partager ce moment avec vous, le chat, qui est un moment heureux où on peut pas tous les jours effectuer ce move et voir son adversaire abandonné juste après cette sphère de rat. Divine créature céleste, écoute mon appel funeste. Brille de tout ton éclat et détruis mon adversaire. Voilà. Et là, vous savez que votre adversaire a le seum. Et si vous voulez le forcer à quitter... Non, je vais pas faire ça. Tu peux laisser tourner la cloque et tu sais qu'au bout d'un moment, il va quitter. Je ne vais pas faire ça. Nous allons jouer. Nous allons jouer. Techniquement, je devrais pas faire de... Oh. Je voulais te faire pire. Alors, il a transformé cette carte si nulle. Nulle, cette carte. Comme Mitroglou, gros. Elle met pas un but. Chaque joueur pioche une carte, c'est-à-dire j'en pioche une et on en défausse tous une. Sauf qu'à la fin du compte, toi, t'as fait du plus zéro. Moi, j'ai fait du moins un, gros. Et donc là, il a transformé cette carte nulle en très bonne carte. Mais merci, les gars. Mais merci. Car maintenant, je vais pouvoir faire le triple talent tactique. Et piocher donc 2 nouvelles cartes de mon deck. Et passer mon tour, parce que ce sera 2 briques. Ouf. Est-ce que mon adversaire est prêt à ça? En vrai, je rigole, mais tant qu'Obélisque est pas sur le terrain... Tant que Obélisque est pas sur le terrain, moi je mets pas âme des magiciens et je laisse jouer. Mais c'est là où c'est machiavélique. Et le chat, et c'est là où vous allez dire « Oh putain, franchement, Zulu, j'avoue, franchement, moi j'y avais pas pensé. » Pourquoi ce deck il est si surprenant? Ce deck Obélisque? Parce que je joue Absorption de compétences. Mais Absorption de compétences, on sait, on connaît, avec Edlich à 3005, patati, patata. Mais pourquoi c'est si intéressant avec un deck Obélisque? Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, je joue Obélisque Monster Reborn. Sauf que Obélisque, quand il est invoqué spécialement, c'est indiqué juste là. Une fois par tour, durant la end phase, si cette carte est invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière. Sauf que... S'il y a
pas d'absorption de compétences, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Il reste sur le terrain, gros. Il reste sur le terrain et voilà tout. Alors, c'est le moment où il abandonne, là, non? Bon, par contre, il faut encore que je trouve un moyen d'invoquer Obélisque. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Oh, la masterclass. Les gars, plus 1 si vous y avez pensé. Plus 0 si vraiment... Oh, franchement, j'y avais pas pensé, quoi. Bon, évidemment, il a chopé sa meilleure carte. Est-ce que je dois faire absorption de compétences maintenant? J'avais vu la rediff sur le live. Défausser. Puis invoquer spécialement cette carte. Puis vous pouvez invoquer spécialement. Je pense que ça marchera pas si je fais absorption maintenant. Je pense que ça, il fera quand même son token en fait. Ça marche pas, ouais. Ah. Attends, il me fait vraiment piocher deux. Oh, trop gentil. Trop tigeant. On va faire maintenant l'absorption de compétences tout de suite. Bah oui, je le connais, le bougre. Il va faire effet baronne. Mais t'as bien invoqué tes monstres en défense, maintenant. Il a tellement le seum. Il a tellement le seum. Bon, par contre, cette draw de illusion du cas... Oh non! Oh! Oh, je fais moins le malin! Oh! Ok, lui, il va se prendre une autre couille de rat, c'est sûr. Lui, je vais devoir le punir. Ah, mais non, il aura que deux monstres! Malin! Il s'appelle Daddy Kuribo. Ah, bah, on lui a fait pour le. Oh! Il peut pas me tuer quand même. Tu as activé mon gardien slime. Si une ou plusieurs cartes sont bannies, vous pouvez bannir une carte sur votre terrain. Et merci pour le burn, mon ami. Hop là. Oh mais vas-y, en plus il le battle, c'est gentil. Alors, est-ce que j'ai envie de me le faire gérer ou pas? Bah non, parce que derrière, j'invoque Obélisque et je le dig-dig avec Obélisque, gros. Donc, on va bien sûr activer cet effet. Oh non! Oh, les 200 en plus par son effet! Oh. Ok, ok. Pas grave, on s'adapte. Aucun problème, les gars. Aucun problème, les petits refs. Nous, on s'adapte. On récupère cette sphère de rap. Parce que ça suffit. Ça suffit. Ensuite, on récupère Monster Reborn. C'est le moment où il quitte. Là, c'est le moment où on lui invoque deux obélisques et bam, on cogne, mec, le coude comme ça, là. Ça tape bien, là. Regardez. Première chose, Monster Reborn. Nous allons réinvoquer cette petite slime. Ensuite. Oh, les gars, j'adore. J'adore régler mes comptes sur Master Duel. Un coup de Obélisco Chocan. Et ça, c'est beau. Et là, il dit... Mais ton obélisque, ton Dieu Slime n'a pas assez de stats. Déjà, je dis, tu te calmes, je fais effet de mon Dieu Slime. Ce qui me fait déjà pas mal de cartes. Et là, il dit, oh non, j'espère qu'il joue pas Slifer. Et non, je joue pas Slifer, mon ami. Parce que je joue une carte bien plus puissante, mon ami. Je joue. Je vais d'abord faire ça. Révélation millénaire qui me permet d'envoyer directement Obélisco Chocan de Pimama et récupère Monster Reborn de mon Steam Chair. Et à ton avis, qu'est-ce que je vais invoquer, mon ami?
Il s'agit d'invoquer le grand, le tout-puissant, le seul et l'unique Obélisco, le tourmenteur. Ensuite, nous allons récupérer... Gardien Slime ? Ou pas Gardien Slime ? Gardien Slime, pour protéger nos points de vie. Et mélange pas tout, parce que dans le deck de mon grand-père se trouve aucune carte minable. Je vais invoquer spécialement mon âme des magiciens. Et je vais aller piocher deux cartes supplémentaires en envoyant celle-ci. Et on va aller chercher un troisième obélisque. Hop là. Ok, let's go, baby. Non mais il y a juste trop de trucs à faire là. Il y a juste trop de trucs à faire. Ce tour-ci, j'ai pas fait... Oh, je vais lui faire un triple obélisque le tourmenteur, les gars. Oh, vas-y, on va faire un triple. Vas-y, dépêche, il va FF sinon. Ouais, ok, ok. Oh, oh là là! Oh, le triple obélisque le tourmenteur, vite! Ah mais non, ça marche plus. La boulette ! La boulette ! Merde ! Ok, c'est pas grave, ça passe quand même. C'est moins sexy. C'est moins sexy, mais ça passe quand même. Hop là ! Hop là ! Mais pas besoin d'anima, les gars ! Parce que je possède le monstre le plus puissant de duel de monstres ! Il est l'heure d'aller invoquer une troisième fois Obélisque, le tourmenteur ! En sacrifiant la sphère de rat ! Obélisque, le tourmenteur ! Et Obélisque, le tourmenteur, pour invoquer le jeu ultime ! Obélisque, le tourmenteur ! Et te terrasser, mon ami ! Et si j'avais voulu flex, j'aurais pu activer Max, mais ça servait à rien. Ouf et dodo ! Est-ce que vous êtes diverti, le chat ? Est-ce que vous êtes suffisamment diverti ? Obélisco le problémo. Mec, les gars, ce deck, c'est... Je suis désolé. C'est le meilleur deck que j'ai pu créer de toute ma vie. Il est juste incroyable. Je n'ai rien compris, mais c'était génial à vivre. Eh bien, merci Pandastronaute. N'hésitez pas, bien sûr, à kiffer. À lâcher un petit follow sur la chaîne Twitch si jamais vous tombez sur ce live par hasard. On s'amuse beaucoup. On fait des decks nuls et on terrasse les gens. C'est un bon programme, ça. C'est un bon programme. Mais surtout, le programme de la soirée, c'est à 17h30. La giga soirée opening. Il y a beaucoup d'argent sur la table, là. Il y a beaucoup d'argent sur la table. Chaque display rarity, c'est entre 160 et 170 euros. Les displays à gov, c'est prix normal d'une display. Je vous laisse faire le calcul. C'est pas mal, les gars. Allez, suivant, les gars. Oh, les mains remplies d'obélisques. Et n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la Hyper Zulu Production, vous pouvez lâcher un petit prime si jamais vous en avez un qui traîne. Ça permet de financer la chaîne. J'ai pris une Team Box 25, j'ai eu que de la merde. Eh ben écoute, sans Goku Warrior King, en ton honneur, ce soir, on va craquer de la Quarter Century de ouf. Et mon but ce soir, hein, qui n'est le but de personne d'autre dans le monde, hein, c'est de choper la Quarter Century, de Egyptian God Slime, ou la Platinum, parce que franchement, la Platinum, elle a l'air... stylé, elle a l'air méga stylée. Personne veut cette carte. Moi, c'est ma carte préférée, les gars.
Merci Sir Clémy pour le Prime. Merci beaucoup. Salut Zoul, j'ai vu ta vidéo avec Gastronogeek. Tu t'es amélioré en cuisine depuis. Bof. Bof quand même. Bof bof. Alors, Magnamut. Magnamut, est-ce que je dois le faire tout de suite? Je pense pas en vrai. Il a rien ciblé, rien fait. Ok, let's go. Putain, je dois trop pisser. En fait, c'est la seule raison pour laquelle j'aurais dû faire Magnamut tout de suite. C'est pour pouvoir aller pisser. La display que je rêve, c'est Slime God en quarter et la piège harpie en quarter. On n'est pas loin de la vérité. Je viens de choper le dieu égyptien slime en quarter. Bah GG à toi, Smore. Depuis l'extra deck. Ok. C'est le moment de Magnamut. Et de stopper son tour. Ah, il va en respect 2. On va... Est-ce qu'il a un syntoniseur? On va enlever le syntoniseur, bien sûr. Hé hé. Oh, mais regardez. Oh, tous ces chats dans le chat qui ont le kappa doré dans le chat. C'est pas bien un peu les kappas dorés, là. Je sais, vous êtes nombreux à avoir chopé les kappas dorés. On a fait un train de la hype niveau 12, les gars, tout à l'heure. Sur un train de la hype doré qui est quelque chose d'extrêmement rare sur Twitch. Oh, je vois pisser. Ah, mais regardez-moi tous ces shads au kappa doré là. Il y a des mecs qui se font théo par le moubot. Alors qu'ils mettent juste des kappas. Ah là, je vois juste pisser. Ensuite, je vais dire... Rentrez. Quand vous êtes là, hop là. Ok. Bon, moi, je vois trop pisser, mais là... Oh, les gars, je vois pisser, comment je fais? Tout ça pour lui faire une coucougnette de rein encore. Ton opening, c'est avec QC. Ouais, il y a QC et Franck qui vont venir. Ah, les gars, j'ai prévu les trois caméras, machin et tout. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Je suis un enfant. Je suis vraiment un enfant, les gars. J'ai 30 ans. Mais je suis un enfant. C'est la vie. Vas-y, vas-y, je vais pisser, je vais pisser. Je mets le stream sur mon téléphone et si c'est à moi, je reviens en courant. J'espère que j'aurai le temps de me torcher dessus.
Ouais, bah ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être très très chaud. Ah, je pense qu'on est bien là. Ah, si j'avais eu une sphère de rat, on aurait pu game. Mais là, comment vous dire? Il y a une Fogblade en plus de cette. Je pense qu'il y a une Fogblade. Allez. Ah, je peux pas invoquer le synchro. Oh non. Allez, let's go. Bon, je vous cache pas que c'est un peu dur. Il y a Kali qui peut arriver à tout moment et dire pass turn. Ah ouais? Bon, c'est ce qui arrive là, non? C'est le fameux mec qui dit pass turn? Ah ouais. Bah super. Bravo. Il est 17h, elle est où l'ouverture de Zinzin? Allez, à 17h30. Mais ce que je peux vous proposer, c'est on fait une dernière game. On fait une dernière game. J'ai prévu à 17h30, mais on fait une dernière game et on y va. Tout le monde va être là. FF, FF et tout. En vrai, ça peut m'aller de jouer en deuxième, mais il faut que je top mes cartes de go second. On joue premier. Et l'adversaire a choisi de nous faire jouer premier. C'est chaud, ça. C'est très, très chaud. Let's go! Je suis confiant là. Là, on go second, ça pouvait être bien. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Non, il n'y a pas rat dans mon deck. Tri-brigade. Tri-brigade, tchin tchin tchin. Ou peut-être pas. Ou peut-être bête gladiateur. Oh, Griffrayer. Je vois super poli maintenant. En vrai, il a pas de normes, c'est chiant pour lui, non? Pas encore. Je vois super poli à quel moment. Ça explique pourquoi il veut go second. Il a le griffe cash qui se spé. Ok. Moi je l'aurais mis tout de suite. Mais j'avoue c'est risqué quoi. Parce que après les autres, en fait tous ces monstres c'est des terres. Est-ce que tous ces monstres c'est des terres, ces monstres reliés machin et tout. Il a 5 en main, il a pas encore norme. Mais si il a norme. Bon, tu trolls là. Parce que elle se spé. Adjacente à un monstre Griffrayer, donc. La lien 3 est dark. Ouais, je sens que. On s'est fait arnaquer là-dessus. Ah, et qu'il a norme. Ah ouais, mais Tammy, il a pas encore norme. C'est pas grave, c'est pas grave.
En fait, je pense que ça pouvait faire pass turn, mais pas forcément à tous les coups. Mais est-ce que j'aurais vraiment un meilleur spot que ça? Merci Lampy, hi. Hi the Lampy community. Welcome. We are waiting to open this. Woohoo, let's go. Just after this game. But now we play my favorite deck, Obelisk le Tourmenteur. Vas-y, je l'attends maintenant. Je pense pas que ce soit le bon timing, mais on y va. Ah, je peux pas Garoura. Good luck. Thank you. Alors, hop là, j'aurais préféré Garoura quand même. Je me suis peut-être un peu précipité, mais... Parce qu'en fait, là, je lui laisse un mob, quoi. Je lui laisse un mob. Attends qu'il y a la grosse ligne. Trop tard, too late. D'où te vient cette admiration pour les dieux égyptiens? Parce que pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est Batailleville, en fait. Yu-Gi-Oh! C'est Batailleville. Et là, il fait terrain plus arrival de summon. Puis la lien 3. Yes, j'avoue. T'as pas aimé l'arc Pegasus? Si. Si, si. Mais Batailleville, pour moi, c'est le... C'est ma saison préférée du Yu-Gi-Oh! Je suis en train de faire la série en pleine finale de Batailleville, c'est incroyable. T'es pas prêt pour ce débat, mais GX, super à Batailleville, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent GX. T'as regardé 5D, pas un seul épisode. En même temps, le baron synchronique, ça m'étonne pas que tu préfères 5D quand même. C'est celui où... GX, c'est celui où ils font de la moto? Non, c'est le... C'est 5D, ça. Oh, le visast. Mais t'inquiète, je sais qui tu es, Baron. Hop, les... On est dans la sauce! Comment il peut encore avoir autant de cartes en main alors que moi j'ai plus rien? Mais effectivement, j'ai craqué ma super poly trop tôt. J'ai craqué ma super poly beaucoup trop tôt. Mais attends, je vais pouvoir tout détruire là. Après, s'il passe turn là, si je top pas Obélisque, si je top Obélisque, je suis Gucci. Si je top pas Obélisque, je suis dans la merde. Bon, les stats sont pas pour moi. Hein. Crois en l'âme des cartes. Ah bah t'inquiète. Hein. Imagine un club Yu-Gi-Oh! T'affronte le doubleur de Yugi, Laurent Sao. C'est cool, mais il sait pas jouer, Laurent. Mais je l'ai déjà joué avec lui. C'était vraiment chouette. Ouah, wow, il peut encore jouer. Il peut encore jouer le man. Ouais, bah comme quoi c'est fort, hein. Enfin c'est fort, mais j'ai surtout gâché ma super poly, quoi. On se l'accorde.
Le Speed Duel Invitational. Un des meilleurs trucs que j'ai fait sur Yu-Gi-Oh! Hein. Si vous savez pas ce que c'est, Speed Duel Invitational. Speed Duel Invitational, les amis. C'est banger. Hein. Regardez Doc et moi qui s'affrontons en Speed Duel. Ça, c'était insane. Il y a des gens qui ont jamais vu ça. Allez regarder le live, vous allez vous régaler pendant 8 heures. Oh, il y avait Vince. Est-ce que c'est pas la première fois que Vince faisait un truc de nouveau sur Yu-Gi-Oh? Oh, j'avais des cheveux! Oh, c'est moi! C'est au moment du lancement de Speed Duel. Oh là là, regardez ce plateau! Regardez ce plateau magnifique! Bon bah dommage, hein. Bon bah dommage, il manquait un monstre. Donc je disais, le Speed Duel Invitational. Putain, j'étais maquillé ce jour-là. Oh là 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 là. Mangaka, un créateur de contenu italien. Xari. Max Hilden qui joue à Yu-Gi-Oh! Assez rare pour le préciser. Lama le Crasher. C'était trop bien. C'était vraiment trop trop bien. Bon, il a les Tal on board là. Pourquoi il battle pas? Tu as failli gagner la finale en plus. Mais spoil pas. Ah, il veut flex. Ah, il a raison. Il a raison. Il a raison parce que derrière, sinon, je peux être en vie. Après, en plus, il connaît rien de mon deck. C'est pas comme si... C'est pas comme si il sait que je joue des trucs comme Gardien Slime. C'est vieux, ça a 8 ans. De quoi? Ah, ça, non, c'était pas 8 ans. Mais ça en est pas loin, oui. Ça devait avoir 4 ans. Il veut te détruire en une seule fois. Ah bah ouais, là. Je suis en train de regarder les rediffs de le stream, c'est très sympa, ouais. Ah, le prime du prime de Yu-Gi-Oh, ça. Il fait Baron. S'il fait Baron, je quitte, hein. Je pense bien qu'il y a Baron. Le stream te manque pas. Si, bien sûr. Allez, let's go! Let's go opening, les amis! Let's go opening! Ah, là, vous êtes heureux, là. Là, vous êtes heureux. Ah, bah, j'ai Alt F4 direct. J'ai vraiment Alt F4 direct. Bon! Je vais juste chercher un petit truc à boire. Parce que j'ai plus rien dans ma gourde. Et j'arrive, les gars. Ouh là 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 là! Est-ce que vous êtes prêts? J'arrive, j'arrive.